Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la campagne des pirates de Zodaka. Et je n'ai pas divisé la vidéo en deux à cause d'un combat en plein milieu. Donc je trouvais ça bizarre que je fasse 40 minutes puis 2 heures ensuite de vidéo. Vous me direz hein, si j'ai eu tort, hein, n'hésitez pas à me le signaler. Si vous trouvez que bah, finalement c'est pas trop grave si ça fait un déséquilibre comme ça, vous préférez en deux vidéos. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a un combat. Je n'indiquerai pas comment ce combat est venu, mais une chose est sûre, c'est que, en tant que MJ, j'étais pourtant sûr d'avoir mis des beaux panneaux pour pouvoir faire les choses, et je me suis dit, bon, je vais leur donner des options pour faire autre chose, mais il y a peu de chances qu'ils l'utilisent. Et bien entendu, qu'ils vont forcément faire les trucs complètement que je me disais non, ils vont pas oser. Et ben si, ils ont osé. À croire que la prochaine fois je mettrai piège pour voir si ça fonctionne, un énorme panneau piège en me disant ils vont jamais y aller et ils vont le faire. Vous allez me dire, je l'ai déjà fait avec l'arbre hein, hein, dans un sens, ils l'ont déjà fait et ils ont failli perdre leur vie. Et il faut bien le dire, c'est que maintenant ils sont partis, ils sont rentrés donc dans la seconde saison un peu mieux. On a fait l'introduction, là on rentre dans les choses un peu plus sérieuses et ça devient plus dangereux. J'espère qu'ils vont pas payer le prix de leurs actions. Hein. En même temps, je sais qu'ils sont assez rusés, donc on verra bien comment ça se passe. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis bien amusé, et bien je l'espère en tout cas que vous, ça vous inspirera, et que bah, l'histoire vous intéressera de retrouver ce fameux nain. Mais ça, ce n'est qu'une première étape pour le reste de leur campagne. Allez, sur ce, je vous laisse, et à bientôt. Voici donc l'île d'Abi, florissante, avec ses roches au loin. Et c'est super dauphin. Alors en réalité c'est des requins. Bref, sur cette île, vous devez trouver les traces d'un accès au refuge de Rymir, le fameux nain, qui est, vous, comme vous le savez, vous avez récupéré les informations comme quoi il travaille avec des sagouins. Les sagouins, pour je vous rappelle, sont bien des créatures pas top sympas. Hop. Voilà, pour ceux qui se rappellent pas, puis pour aussi Riffen qui n'a pas pu être présent à la dernière partie. Donc ces fameux sagouins travaillent avec notre nain qui travaille pour la cabale, c'est-à-dire les sorcières, à fouiner les ruines eh bien, d'une ancienne civilisation qui est potentiellement serait au-delà de l'ère des dieux, donc quelque chose d'extrêmement précieux. Et voilà, il travaille avec ses créatures, et vous savez aussi que eh bien, sur l'île d'Abi, il y aurait un accès pour arriver jusqu'à son refuge, et vous avez trouvé aussi des points faibles à ce Rymir pour peut-être les utiliser contre lui. Alors là, bien entendu, aujourd'hui, vous partez avec un personnage de votre équipage, l'équipage Tortir. Eh bien, vous êtes avec Madame Rouge, Marlène Rouge, la maître canonnière, qui sera votre chef d'expédition. Mais bien entendu, vous aurez votre mot à dire, afin que justement, c'est votre chef, entre guillemets, c'est surtout votre celle qui va vous aider à accomplir votre mission, étant donné que on peut pas la donner à des mecs qui viennent juste d'arriver et dont les compétences laissent à désirer, même si vous êtes supérieur au lot. On est bien d'accord, vous n'êtes pas totalement des gros nuls, vous êtes quand même au-dessus de la moyenne. Voilà, donc cette maître canonnière Marlène Rouge sera donc à vos côtés pour pouvoir justement accomplir votre mission. Cependant, vous allez avoir des renforts qui sera dirigé par Crochard, et en même temps vous avez deux petits PNJ, Dart Agnan, que vous avez choisi hein, de oui. Les faire crever en premier si ça se passe mal. Et Jakespeare aussi. Et aussi Jakespeare, dont je ne me souviens même pas qui c'est qui m'avait sorti ça. Jakespeare. C'est moi aussi.
Ah, c'était deux persos? Ah ouais? Ah ben voilà. Bon, on a bien choisi. Hein. Ah ben écoute, hein, si on te tue trois personnages, ce sera fantastique. Il vaut mieux tes persos, enfin tes... Oui. Il vaut mieux que ce soit tes PNJ que... Que le tien. Voilà. Alors... On va descendre un petit peu la musique d'ambiance. Et... voilà, vous avez récupéré toutes ces petites compagnies et vous voilà donc sur l'île d'Abi. Et le navire vous dépose avec une grande barque et vous allez devoir décider vers où vous allez arriver. Alors sachez que là, dans ce truc de canard, pour ceux qui ont voulu m'embêter avec le canard, en ce lieu, on va mettre un carré plutôt pour... il y a en fait... le port d'attache de l'île qui c'est un petit, une sorte de comptoir hein, où il n'y a pas grand monde, grand monde. C'est là où il y a la plupart des habitants civilisés de l'île. Et tout autour, eh bien, vous avez des plages avec des récifs qui, avec quelques falaises, voilà, potentiellement. Toute l'île est couverte ou de marais ou de forêts. Et ici, vous avez en fait une sorte de grande montagne, de pic rocheux, qui s'élève bien au-dessus de la mer, qui eh bien, semble être la fameuse, le fameux endroit de la carrière. Voilà. Alors messieurs, est-ce que vous voulez entrer bah, directement dans cette... alors ça s'appelle la... la alors c'est la fente d'Abi, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la fente d'Abi que ça s'appelle. Et vous savez aussi que la carrière s'appelle le puits d'Abi. Voilà. Alors bien sûr, on vous largue là-dessus, vous n'avez pas trop d'informations, il va falloir vous démerder. Vous savez juste que la terre là-bas change en permanence, que le sol, etc., et qu'on s'y perd assez facilement. Il faut donc faire assez attention. Est-ce que les contours de l'île changent? Alors, les contours de l'île, non, mais vous savez que c'est très peuplé de crabes dans le coin. C'est l'une des créatures les plus... les plus véloces du coin, mais il y en a d'autres, hein, bien entendu. Des crabes de quelle taille? Du petit jusqu'au très grand. Après, ça dépend de votre, de vos connaissances sur l'île. Alors moi, j'ai géographie archipel del Ancia en avancée. Eh bien, alors dans ce cas, je vais pouvoir te donner plus d'informations. En vérité, l'endroit est relativement dangereux pour tout marin, car en fait, il y a pas mal de roches sous l'eau qui ben, est très très dangereux pour les navires. Et là, en fait, ils ont essayé de percer. Et là, c'est le seul endroit quasiment pour venir en navire sans trop de problèmes. Alors voilà, il y a des roches juste sous l'eau. Et il faut, en effet, il y a pas mal de petites criques un peu partout qui permet d'essayer de s'y accoster. Alors, forcément, vous allez me dire, oui, on peut y aller, ça dépend de vos talents de navigateur. Il n'y a absolument aucun problème, un excellent navigateur peut s'accoster là, pour être ni vu ni connu, de la part des gens qui habitent l'île de d'Abi. Si vous avez envie d'être discret ou quoi que ce soit, c'est fort possible. Le marais est un énorme endroit, en fait, qui se trouve ici, et qui est proche de la mer, en fait, elle est nourrie par l'eau. Il y a apparemment des infiltrations qui fait que l'eau de mer rentre jusque dans le marais et qui le fait grandir et rapetisser. Tout le reste, c'est des bois bah, qui couvrent entièrement l'île d'Abi. Il y a cependant pas mal de clairières, de petits trucs comme ça, qui fait que vous savez qu'il y a de l'élevage de boutons ou des trucs comme ça. Alors c'est pas de l'élevage de fou, hein. Vous savez pas combien il y en a, mais bon,
Vous savez qu'il y a de temps en temps des cargaisons de moutons ou de cochons qui partent de l'île d'Abi. Bien, je pense que pour l'instant, nous devrions aller accoster au port. À moins que je ne vois pas trop l'intérêt de. Ça ne soit pas vu. Ça marche quand même. Tu vois que Madame Rouge te regarde, il fait allez, poussez, poussez. Bah oui, parce que vous êtes avec vos rames, hein, donc vous êtes tous en train de. Bah parce que là, vous êtes 7, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est ça, vous êtes 7. Donc il y en a un qui est devant la proue pour regarder dans l'eau. Elle est derrière en train de donner la cadence. Allez les petits gars! Allez les garçons! Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre! Faites attention au récif là! Ouais, bah juste là, Hans, bouge ton gros cul et va devant le. Ah non, il est peut-être trop gros, il risque de nous faire tous chavirer. Prenons quelqu'un de vous plus allez léger. Voir un peu comment je bouge mon popotin. Bon bah Watchy, qu'est-ce que tu. Mais Watchy, qu'est-ce que c'est que ça? T'es en train de pagayer là? T'es un vrai canard. Ouais, bah moi, ouais. Je les guide pour justement. D'accord, donc. Écoutez, donc il y a Hans qui essaye de vous guider en direction donc de la ville. De la ville, c'est pas une ville, hein, c'est une petite. C'est un lieu dit, hein, voilà. Il y a quasiment personne qui vit là-bas. Parce qu'on s'ennuie ferme, apparemment. Vous voilà en train de pagayer, d'essayer d'avancer en cette direction. Et heureusement qu'on n'a pas décidé d'aller traverser les récifs. Hein, parce qu'avec un truc comme ça, avec un Watchy qui est même pas capable de tourner ça. Alors regardez, on est en train de tourner en rond, il y en a un qui tourne pas là. Je veux pas dire que je suis un cobalt déjà. Que j'arrive à pagayer, c'est déjà pas mal. Oh là 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 là. Allez! Je me mets au gouvernail, hein. Ah bah non, c'est elle qui est au gouvernail, toi t'es oui, devant pour regarder, ouais, devant, pour guider. Elle est en train de manœuvrer et tu vois que j'essaie Marlène... J'essaie d'opérer à quel endroit on pourrait accoster rapidement et avoir un accès aisé hein, sur ton long de la côte. D'accord, bah écoute, tu me fais un jet de profession marin ou survie. Yes. Marin. Faire. Où je suis meilleur? Ah mais c'est survie liée à la mer? Tout à fait. Ah, je suis un coréen. Non, je suis pas un coréen, je suis un... Océan. Voilà, donc j'ai un plus de... Et moi je ronchonne. Et toi tu ronchonnes? Oui, de toute façon c'est toujours les mêmes, c'est toujours pour les galets, y'a jamais rien pour le magicien. On part tout de suite, j'ai même pas le temps de réviser mes sorts. Oh, t'arrêtes de ronchonner, Razor, allez. Tu sais très bien qu'on va trouver plein de bons trucs. Imagine toutes les richesses de connaissances que tu vas voir. Je sais bien que tu aimes ça. Alors, dis-toi que tu donnes du mal pour la bonne cause, hein? Ouais, on n'est même pas capable d'avoir des sorts de respiration aquatique. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Ah bah écoute, j'espère que tu arriveras à en apporter à l'équipage. Ce sera certainement un énorme avantage. Mais bon, là, pour l'instant, on est obligé de s'en sortir tout seul, hein. Allez. Ouais. De toute façon, il faut absolument qu'on trouve le truc de Rémire. Alors, bien sûr, c'est une femme qui parle. Oui. On l'a reconnu de sa voix, sûr. Vous voyez D'Artagnan et Shakespeare qui fait « Ah, quel boulot de con !» J'espère qu'il va rien nous arriver. Et là, toi, D'Artagnan, j'ai un mauvais pressentiment. Ouais, j'en profite pour regarder un peu la surface de l'eau. Oh, bah, tu vois qu'il y a plein de poissons, des tortues. Oui, mais je regarde plus spécifiquement les bulles qui peuvent arriver. Je sais pas, moi, des carabes un peu plus gros que d'habitude, des requins qui traînent. Oh, il y a quelques requins, mais c'est des petits requins, et oui. Pour l'instant, tu ne vois absolument aucune menace autour de votre barque. Lorsque ce dernier Hans vous indique un endroit assez tranquille pour pouvoir accoster, il vous indique aussi d'autres endroits vous permettant de vous abriter facilement. Et vous permet aussi de comprendre les dangers de ce lagon, hein,
pour justement les pierres et tout, pour les éviter. Donc vous pouvez noter comme quoi vous connaissez les risques de cette zone. Ah. J'espère que vous aviez bien écouté. Vous remarquez que Rylan semble être faire ce qu'on lui dit, hein. Il rame. Ouais, il manque un peu d'alcool dans le sang. Là. Ah, il y a des chances. Et vous voyez que tout d'un coup, lorsqu'il voit au loin une taverne, il pagaille vachement bien. Il prend celle de Wachi. Fais pas trop vite, tu fais ton bateau. Fais pas trop vite. Vous avez jamais vu une barque aller aussi vite. Le navire tangue, vous voyez Madame O, je lui fais « Oh non, il a vu la taverne! Vite, accrochez-vous !» Mettez Crochard de l'autre côté. Alors, Crochard arrivera en renfort. Donc, vous savez que vous avez des sortes de fusées, d'objets qui vous permettent d'envoyer des éclairages dans le ciel afin d'alerter comme quoi vous avez besoin d'aide et donc d'amener d'autres membres de l'équipage de Tortir venir avec vous. D'accord ? Ok. Donc Crochard n'est pas encore là, vous faites connaissance avec Madame Rouge. Vous voyez qu'elle prend son compas qui est un peu bizarre. C'est bon ! On y est presque ! Essayez d'assommer Rylan avant qu'on s'écrase sur les récifs. Donc vous voilà en direction donc de ce petit comptoir où vous voyez des gens patibulaires, ceux qui semblent être désespérés à être ici, hein, sur l'île d'Abby. Vous voyez vraiment des gens qui n'ont pas l'air d'être spécialement heureux. Voilà un peu le type de personne. Hein. Celui-ci vient vous voir, hein, il regarde, il fait « Voilà, j'ai jamais vu une barque arriver aussi vite !» Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Il court. Donc j'imagine que Rylan est en train de faire un sprint vers la taverne. Peut-être pas quand même, mais... quand même, il était à monter la barque sur la rive et... j'espère bien qu'on va aller à la tête. Il l'a remonté tout seul d'ailleurs, la barque. Alors, j'ai fait une image trop grande, désolé. Donc, vous voyez cet homme qui s'approche de Madame Auge, il fait « Waouh ! Eh bien, quelle vitesse incroyable avec votre barque ! J'ai rarement vu quelqu'un pagayer aussi vite pour aller sur cette île. » Ah, et vous voyez qu'il n'arrête pas de lorgner les gros seins de Madame Rouge. Ceci, il vous regarde, elle regarde, il lui donne une grosse baffe. Viens, mon gars, tu n'es pas autorisé à les lorgner. Tu fais pas partie de l'équipage. Il n'y a que eux qui ont le droit de les regarder. Hein ? Donc, en effet, hein, elle a une poitrine digne d'un personnage d'animation hein, japonaise. C'est-à-dire que c'est ridicule, hein, mon gros. Alors, peut-être pas quand même, parce que c'est exagéré en gros, en général. Ouais. Bon, Tam, je dis ça à Wachi, elle a un grain de beauté sous le téton gauche. Et puis, derrière, il fait toi, t'en as un sur la fesse droite. Alors, hein, tu commences pas à dévoiler les secrets de nos secrets, hein. Je te retiens, hein. Bon, allez, les petits gars, il y en a un qui a soif. Allez, on y va. Ah, donc elle prend Rylan avec son gros bras musclé, se dirige en fait, non, ce Rylan était déjà parti, elle a voulu le prendre, et fait, bon, elle regarde donc les autres équipiers, et fait, bon allez mon minou, allez viens là, je vais te faire les puces à la taverne, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Vous voyez que Asios ne comprend rien, il vient juste de se prendre une baffe, et il voit les gens avoir rien à foutre de lui. Et il déprime totalement. Il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Il est complètement à la ramasse. Donc peut-être voulez-vous venir vous joindre à nous à la taverne. Tu vois ses yeux qui s'illuminent. Hop.
C'est vrai, vous allez me payer un coup? Ça dépend de tes manières. Eh oui, viens. Ah, y a même Razor qui dit viens. Bah, écoutez, hein, il a son petit cœur de pauvre gars sur l'île d'Abby. Comme un robot. Ouais. Ah, il y a le Discord qui déconne. Malheur de malheur. Je me disais que c'était trop beau. Ouais. Comme un robot. Alors, nous revoilà. Petit problème de Discord. Voilà, tout à fait. Voilà, il suffit de se déco et de se reco, et c'est bon. Donc, vous voilà à la taverne. Et vous remarquez qu'il n'y a même pas de nom à cette taverne. C'est pour dire à quel point il y a juste écrit taverne. Je donne une pièce d'or à Sios, je dis voilà, tu pourras te payer et moi je reste dehors. Ouah, une pièce d'or! Ah, oh, c'est génial! Vache, cette taverne. Mais tiens, faut l'appeler la taverne de la flemme, dis donc. Donc vous voyez des gens en train de ruminer, et en train de boire quelque chose dans leur chopine. Et il veut pas mal, quoi pas mal, il y a là que certaines têtes qui se tournent vers vous. Et puis, forcément, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a des pioches. Hein, ils ont tous des pioches. Et vous remarquez que ben ils sont plutôt poussiéreux, plutôt sales. Et quoi, plutôt poussiéreux, parce que sale, j'avais envie de dire, bon, vous, c'est pareil. Quoi. Voilà, voilà. Alors, messieurs, vous arrivez en ce lieu. Je vais au bar commander mon petit truc à boire. Un petit rhum. J'observe un petit peu la foule des clients. Tu vois que le gars qui est en train de servir, il est en train d'essuyer, il crache un peu dans un verre et il essuie, hein, pour essayer de nettoyer les verres. Il fait, ouais, tu veux du rhum, dis donc, t'as des goûts de riche, mon gars, t'es sur l'île d'Abby. Question alcool, on est un peu limité. Hé, hey, qu'est-ce que t'as alors? On a de la pisse de chameau. Ouais. C'est ce qu'on appelle. On l'appelle comme ça parce que. Tu vois, un truc jaune marron qui verse. C'est de la bière? Ah ouais, c'est alcoolisé, c'est de la bière. Et t'as rien, il fait t'inquiète pas, hein, c'est 2 pièces de cuivre. C'est tout ce que t'as? Et là, il t'a regardé, il fait, bah, on est sur l'île d'Abby. Ça prend visuellement, tout ça. Puis on n'est pas très riche. Donc, résultat, on a que dalle. Donc, on prend ce qu'il y a de bien, le mieux qu'on peut, et surtout en grande quantité. C'est-à-dire, bon, c'est alcoolisé, c'est tout ce qui me convient. Allez, 2 pièces de cuivre. Alors, la pisse de chameau, ça va pas trop avec. On va appeler ça de la pisse de... De la pisse de crabe. Ah bah non. Pardon ? La piste de sagouin ? Non, non plus. Comment ça s'appelle c'est pas des éléphants de mer, mais des phoques, la piste de phoque ? Des lamantins ? Ouais. Ah, les lamantins, oui, la piste de lamantins. Piste de lamantin. C'est ça. La taverne, elle a vraiment cette gueule par rapport à l'image et ils servent que de la bière pourrie ? Alors non, non, c'est pas possible de trouver une image de taverne aussi pourrie que celle que vous êtes. J'y peux rien. Alors donc tu commences à boire cette fameuse bière et là tu sens qu'il y a de l'alcool mais il y en a tellement peu que tu te dis que tu comprends pourquoi ils appellent ça de la pisse parce qu'en fait t'as déjà quasiment envie d'aller aux toilettes après avoir fini de verre. D'accord, bah je sors et je vais picoler mon rhum à l'extérieur. Donc vous voyez Dame Rouge. Bon, bon allez les gars. Alors, vous êtes le tenancier de cette merveilleuse... Maintenant, de cette... de ce truc branlant qui... Je me demande comment c'est possible que ça tient debout. Et moi et mes amis, voilà, nous sommes ici pour... visiter l'île. Vous voyez qu'il y a des gens qui
commence à pouffer. Bon, écoutez les gars, moi, je vais chauffer des gars qui viennent se foutre de ma gueule, et vous allez discuter, essayer de me trouver des trucs, ok? Ok. Moi, je suis là surtout pour éviter que ça dégénère et que vous vous fassiez tuer. Voilà, je vais m'occuper, je vais essayer d'utiliser mon compas pour essayer de savoir où est le navire du capitaine Tortir. Par contre, faites attention, madame. Généralement, quand on va dans une taverne, il y a toujours une bagarre. Bah ouais, c'est normal. Hein? Bon, moi, très bien. Dites-moi, ouais. Aubergiste, qu'est-ce que vous avez à manger? Vous voyez qui regarde? On a des saucisses de mouton. C'est parfait. Donnez-moi des quelques saucisses, ainsi qu'à mes compagnons. Île de merde. Vous voyez que tout d'un coup, il fait « Mirabel ! Mirabel ! » Il voilà faisait Mirabel ? Où ça ? Et là, avec ce superbe nom, alors que notre ami Rilan attendait de la Mirabel, il découvre que finalement c'est juste qu'une femme. Oui. Mirabel, sors du vinaigre, quelques saucisses de mouton. Nous avons des clients qui sont capables de se payer un repas. Ah ouais? Ah là, incroyable! On a de la chance! Donc, vous la voyez partir faire cuire les fameuses saucisses de mouton. Et vous asseyez, j'imagine, peut-être. Vous voyez que D'Artagnan et Shakespeare sont là en train d'essayer d'arrêter Madame Rouge, en train de baffer les gens. Alors, tu ris toujours? Parce que je vois, la tradition n'a pas été brisée. Hein. Donc, il y en a certains qui s'excusent, apparemment. Il y en a d'autres qui font « Ouais, tu fais gaffe, toi. Commence pas, ou sinon on va te péter la gueule. » Puis il a dit « Non, je suis pas là pour frapper, mais il m'a manqué de respect. Bah, comment on fait pour avoir du respect pour... voilà, j'avais envie de dire, tu as commencé à cracher sur la réputation de notre taverne. » Tu vois qu'il commence à un peu se chauffer, mais D'Artagnan et Shakespeare essayent de faire en sorte que la situation ne devienne pas totalement... chaotique et incontrôlable. Donc Mirabel vous apporte vos fameuses saucisses. Vous en avez pour 4 pièces d'argent. Donc vous voyez qu'il y a plein de saucisses. Je balance 4 pièces d'argent sur le comptoir. Et puis je tape dans le dos de d'Azigios. Allez, croque là-dedans et raconte-nous un petit peu ce qu'il y a à savoir sur ce trou là. Alors, Azios, il commence à manger. Oh, c'est trop cool! D'habitude, on est obligé de trouver, de pêcher et de récupérer les quelques crabes qu'on peut chasser sur l'île. Ah, les saucisses de mouton, c'est en dehors, clairement loin de mon budget annuel. Ah. Et puis alors, comme ça, vous venez d'où, les gars? Et il regarde un peu tout le monde, hein. Ah mais t'endors pas toi, je sais qu'on s'ennuie, mais quand même. Voilà. Non, désolé, rien que vous parler, ça me... Oula. Et quoi, je suis si inintéressant que ça? Non, c'est pas sur vous, c'est tout le monde en règle générale, en fait, ici. Je sais pas, il y a une aura. Je sais pas comment dire. Ah ouais, bah il faut dire que la plupart des gens qui sont ici, ils ont pas envie d'y être. Sauf le vieux Charles Leroy, celui qui s'occupe de la taverne. Alors là, il vous regarde, il fait oh, j'ai jamais vu un gars comme toi. Il regarde Phil Nest. Tu ressembles à une sorte de gros chat. Ouais, avec les griffes et la queue qui va avec. Oh. Et tu ronronnes? Je te déconseille d'essayer. Par contre, il y a des coins intéressants sur cette île. Qui sortent de l'ordinaire. Bah ouais, bah disons qu'il y a le forêt et la marée. Marée, faut pas trop y aller. C'est vraiment dangereux, mais il y a plein de gars débiles qui veulent y aller à cause
des différentes légendes qui courent. Moi, je les connais pas, mais bon, je sais qu'il y en a qui vont et qui reviennent pas. Y a des gens par ici qui connaissent les légendes. Ah, parlons-en des légendes. Ah. Ah bah, dans une légende, tu vas en avoir, tiens. Quoi, t'étais là ? Tu t'attendais par l'extérieur ? Donc, l'oreille qui traînait à l'intérieur. Il était à la fenêtre. Il était à la fenêtre. Quoi ? Il y a une légende ? Alors, mon cher ami, tu as combien ? Expert. Expert, sûr. Toujours. C'est alors, de ton chapeau que tu ne peux pas enlever, hein, Razor, elfe à la peau rouge, oui. Tu tires ton chapeau, mais tu ne peux pas, tu dis, bon, voilà, je vais parler des légendes de cette île d'Abby, où en effet, il y a le fameux navire des frères Tudor qui ont disparu sur cette île avec leur navire. On dit que là où il y a le marais, il n'y avait pas toujours de marais. Il y avait en effet de la mer et que ils se sont échoués là-bas et que une sorte de que l'eau, la terre s'est mélangée et qui les a bloqués, les a affamés et que leur trésor a été de temps en temps pillé, mais qu'en grande partie celui-ci rassemble tous les imbéciles qui ont osé parcourir le marais. En effet, tous ceux qui y meurent semblent se retrouver là où il y a le navire. Il y a autre chose, et vu que tu es expert, tu sais aussi qu'il y a un avertissement. Il ne faut en aucun cas prendre ça à la légère, car il y a une terrible maladie qui peut être contractée sur ce navire. Mais il est vrai qu'il y a de gros trésors. La plupart aujourd'hui ne tentent pas de faire l'expédition, étant donné que la cabale elle-même l'interdit. Après, il y a toujours des débiles qui le font. Toujours des gros nazes qui n'y coûtent rien et qui y vont quand même. Il est vrai qu'une fortune de plus de 10 000 pièces d'or, voire peut-être beaucoup plus, s'y trouve. Donc forcément, ça attire du monde. C'est un beau pactole. C'est intéressant. Donc voilà, Razor. Je vais terminer cette mission le plus rapidement possible. Oui, vous voyez que Charles Leroy arrive avec... j'ai l'impression qu'avec juste ça, t'arriveras pas à être bourré, mon gars. Si tu veux un peu plus de pisse de lamentin, j'ai un tonné juste pour toi. Non. Oh la vache. Ah, t'as les autres qui sont là. Qu'est-ce que je le comprends? Certains qui lorgnent sur ta bouteille. Je dis, tu pourrais au moins partager, mec. Boire tout seul, c'est pas bon pour la santé. Ouais, pas de soucis, c'est 5 pièces d'or le verre. T'es pas aussi riche, ça va pas, nous. On est sur l'île d'Abby, hein. C'est cher. Bon. Donc, vous voyez Cassius, il écoute attentivement Razor. C'est rare de voir des gens de vodka à la peau rouge. Vous êtes quoi déjà, au fait? Parce que l'autre, il y a un minou, là. Parce que, bon, les Nolcaldiens, il y en a souvent, hein, qui passent de temps en temps. Des kobolds, on en a aussi, mais... des gars à peau rouge comme ça, c'est plutôt rare. Je sais pas ce que c'est. C'est mon point dans ta gueule si tu commences à m'énerver. Je suis très susceptible sur ma race. Ah. Mais dis-moi, Asios. Ouais. Tu as l'air de bien beaucoup aimer les différentes races. Qu'est-ce que tu as vu comme race particulière, extraordinaire sur l'île? Je me rappelle qu'il y avait
qui avait qui, un truc petit comme vous. Gros et vert. Et là, vous n'avez pas vu un coréen quand même? Ah ben, je sais pas ce que c'est. Et là vous entendez, ben non, il n'y a absolument pas de ça. Et puis il y a des gens qui commencent à regarder. Ouais, vous posez trop de questions, Asios. Asios! Asios, casse-toi de la taverne. T'es pas le bienvenu, tu le sais bien. Puis, oh, quel honneur. Vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à se lever. Ouais, on n'aime pas trop les gens dans votre genre, vous. Si j'étais vous, je ferais attention à ce que vous dites. Parce que les gens qui commencent à poser trop de questions, eh bien, il leur arrive des malheurs. Il est proche de la table. Je vous rappelle que nous sommes votre... je crois que je bouge ma bourse comme ça. Hein. Nous sommes ici pour faire marcher votre commerce. Alors laissez-nous parler. À toi, il y a les mecs qui sont en train de se regarder. Non. Écoutez, pour ce genre de choses, vous parlez des gens bizarres, etc. Ces gens bizarres, ils y sont plus. De toute façon, il y a les trois druides qui sont pas d'accord. Alors, laissez-nous tranquilles, c'est tout ce qu'on vous demande. Puis de toute façon, il n'y a rien à faire. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous voyez en effet que tout d'un coup, un monsieur au loin, avec qui tient la taverne, fait une sorte de bruit, obligeant les gens à essayer de s'écarter. Ce que veulent dire mes bons petits gars, c'est que la vie est dure et qu'en effet, il y a bien eu des gens comme un Corien qui sont déjà passés. Mais maintenant, ça fait des années et des années qu'il est passé et qu'il n'est jamais revenu. Il est parti de l'île d'Abi comme la plupart, parce que tout le monde s'ennuie et on n'y gagne que dalle. Après, on y gagne quand même quelques pièces pour ceux qui arrivent à faire les chargements de marbre ou de pierres de granit. Tout ça venant de notre fameuse petite colline, le téton d'Abi. Bref, tout ça pour vous dire, franchement, posez pas trop de questions, Asios est un peu con comme un pied de chaise, et tout ce qui vous risque de faire, c'est de vous attirer des ennuis. Vous voyez qu'il ouais, c'est pas vrai, il fait, ouais, quand même, les derniers que à qui tu as fait le guide, tu les as perdus en pleine forêt. Trois gars, on les a jamais revus. Alors Asios, je crois que tu devrais fermer ta gueule. C'était qui ces gars? C'était des gens qui voulaient aller au marais. Ben moi, je les ai amenés au marais, ils sont juste pas revenus. Qu'est-ce qu'ils voulaient au marais? Oh bah, ils étaient intéressés par les légendes, hein. Mais bon, faut dire que y a Tic Tac, l'ancien croco, il a dû les manger. Hein. Et un copyright sur ça, je crois. Et c'est quel genre de croco, ce Tic Tac? C'est un croco qui fait la taverne. Ah. Un beau bestiau. Il doit pouvoir faire un bon banquet avec ça. Oh bah ouais. Surtout que la viande de croco, quand j'en chasse, c'est vraiment trop cool. Il peut faire pas mal de sacs à main avec. Des sacs quoi? Des sacs pour dames. Oh. Bon, vous voyez que Mirabel vous ramène des saucisses. Les saucisses que vous avez payées. Hein. Asios, il est plutôt content. Bon, en tout cas, sachez les petits gars, le Corien dont vous cherchez n'est pas du tout sur cette île. Vous devriez prendre votre barque et partir. Et vous voyez que les gens, ils sont là. Ouais, parce que nous, on n'aime pas trop les gens dans votre genre, nous. Ouais, ben moi, j'aime pas trop les gens qui ouvrent sa gueule comme ça. Surtout pour pas pisser loin, alors tu vas la fermer, tu vas laisser les grandes personnes parler. Et sinon, c'était qui? Tu peux me faire un jet d'intimidation, Wachi? Oui, je peux. Parce que justement, alors, c'est intéressant de voir comment vous matez les pauvres types. Alors, avec ma voix de canard, j'ai un malus.
Bon, oui. Il y a même un bonus parce que c'est le plus petit qui ouvre sa grande gueule. Donc, Ah non, mais là, il est pas tout petit. Ouais, non, mais je suis. Bah oui, non, je suis pas du tout intimidant. Hein. Donc, t'es pas du tout intimidant et tu vois qu'il y a un autre kobold qui passe et il fait mon gars, c'est pas la peine, hein. Ils me connaissent et tu les impressionnes pas du tout. Hein. Je sais que j'impressionne personne, mais laisse-moi au moins l'illusion que c'est vrai. Oh. C'était qui les trois druides dont nos charmants hôtes ont fait allusion? Il y a les trois maîtres qui s'occupent de toutes les bestioles du coin. Il y a des règles, machin. Vous risquez de les rencontrer tout de suite si vous allez dans la forêt ou le marais. Dès qu'il vous arriverez, il y aura forcément un de ces clampins qui va vous accueillir et qui va vous bassiner. Il faut faire attention aux oiseaux, il faut faire attention aux plantes, il faut faire attention aux crabes, il faut pas trop en tuer, tout ça, tout ça. Vous voyez que t'as les gens qui font des hochements de tête. Bref, ils sont lourds, mais ils nous laissent tranquilles pour exploiter la mine. Même si certains sont pas trop d'accord. Bon, voilà. Mais en tout cas, nos gars, ils ont toujours été en sécurité, parce qu'ils aussi ils nous protègent, parce qu'ils ont une sorte de contrat. Et voilà, et puis s'il y a un problème, quoi que ce soit, une grosse bestiole à chasser, et qu'ils n'y arrivent pas, ben, on peut les aider. Mais en général, il faut faire attention aux bestioles, il faut pas les tuer, sauf si elles vous attaquent, etc. On n'a pas le droit de chasser. C'est pour ça qu'on meurt de faim, qu'on n'a jamais rien, et puis vous voyez qu'ils s'énervent. Puis bon, voilà. Donc si vous voulez savoir leur nom, celui que vous allez certainement voir, c'est Basile. C'est celui qui s'en occupe le plus. Je crois qu'il y a. Je sais plus, il y a un vieux pervers, et un gars qui est proche de l'eau. Il aime faire beaucoup de trucs de poisson. Voilà. Ouais. Il y en a un qui est plus simple avec qui parler, ou ils sont tous aussi charmants? Il y en a un qui est plus simple à parler, à aborder, ou ils sont tous écoutez, aussi c'est des gens de la forêt et de la nature et tout. Quand ils vont vous voir, ils vont juste simplement vous dire que vous devriez partir de leur île. Après, vous verrez bien. Il est en train de réfléchir, il fait ouais. Alors, il y en a un qui s'appelle Torokutius et Indra. Voilà, c'est ça, Indra. Indra, c'est celui qui aime pas trop les gens. Faites gaffe. Indra, tête de tigre. Non, j'ai pas souvenir. Bref, voilà. De toute façon, on n'est pas beaucoup à vivre là-dessus. Et les seuls qui font de la nourriture, c'est la famille de la petite jeune là, de Mirabelle, c'est les Glavissières. Ils ont une grande ferme, pas loin de la ville. Et faites gaffe, hein, ils sont pas du genre à être très civils. Ils sont un peu mongols, à part la petite qui est là. Bon, voilà, je vous ai tout dit, vous êtes contents. Maintenant, allez prendre votre grosse mémère avec son compas géant et laissez-nous tranquille. Et puis, laissez aussi Asios, tu vas rester là, j'ai deux mots à te dire. Ouais, mais chef, je vous assure que j'ai rien fait. M'enlevez pas de l'expédition, j'ai besoin d'argent. Quelle expédition? Expédition, pour aller creuser des trous, aller chercher du caillou pour pouvoir charger le prochain bateau. Ouais, c'est bien vrai ce mensonge. Pourquoi? Comment osez-vous? Vous êtes en train de me dire que je mens? Tu peux faire un jet de psychologie si tu dis. Il faut le mettre dans la toux. Attends, j'ai un souci. J'ai l'image qui gêne. Ça marche, vas-y.
Et donc, tu vois qu'il ne ment absolument pas. Hein. Y a pas de souci. À moins que tu décides qu'il mente, mais ça, c'est ton problème. Là, en tout cas, pour toi, il ne ment pas. Ouais. Ou peut-être qu'il ment, parce qu'en fait, c'est le contraire. Tu n'en sais rien. Voilà. Ouais, passons. Allons faire un tour. Ouais, restez pas loin de la route, hein, sinon vous allez avoir des soucis. Ouais, c'est ça. J'en connais qui freinent des chemins de travers et qui ont des... Mais bon, ça les empêche pas de refaire. Je sais pas ce qu'ils racontent, mais... Ouais, ok. Oui, qu'il y a Mirabel qui nous fait signe. Au revoir. Ouais. Les saucisses étaient très bonnes. Oui, c'est vrai qu'elles étaient bonnes. Pour un patelin pourri. Donc, bah écoutez, vous voilà à l'extérieur de cette taverne. Il y a quelques bâtisses, hein, vous voyez, des sortes de dortoirs. Pas mal de gens. Vous voyez aussi beaucoup de mouches autour de ces dortoirs. Il y a pas mal de pêcheurs aussi qui étalent aussi leurs poissons pour qu'ils sèchent. Vous voyez qu'ils ont salé des trucs. Vous voyez que Dame Rouge revient avec ses deux gaillards. Bon. Alors, comment ça s'est passé, les petits gars ? Nous savons juste que le Corien n'a pas été vu ici depuis très longtemps. Ah ouais ? Vous avez fait gaffe s'il mentait ou pas ? Ils n'avaient pas l'air assez intelligents pour mentir. Quoi, qu'est-ce que tu disais, Rilan ? Ça a l'air d'être des gars honnêtes. Des gars honnêtes ? Comme dans l'archipel de Lanka, vous êtes en train de me dire que je suis honnête, quoi. Je suis un gars honnête, moi. Je mens jamais. Quoi ? T'arrêtes pas ? T'es toujours en train d'essayer de t'esquiver pour aller picoler avec Rochard. Ouais, mais ça, c'est plutôt comme un vœu. Hein. Comme un vœu. Et puis bon. Alors, les gars, vous voyez qu'elle essaye de vous faire une c'est sorte de cercle pour faire un plan. Donc, vous voyez, c'est grosse paire et tout. Hein. Il y en a certains qui l'ornent, mais ils ont le droit. Et chef, ouais. Je pose la tête sur le... Oh, bah, chef, sérieusement, on peut pas rester là, chef. Ah non, mais ça c'est clair. Bon, alors... Faut finir rapidement, là. Écoute, quoi qu'il arrive, on peut pas rester là. Il est clair, mais il faut absolument trouver le truc pour le patron. Donc, le mieux à faire, alors, c'est ou de foutre le bordel, ou d'essayer tout de suite de trouver les gaillards qui connaissent bien l'île. Si j'ai bien entendu, il y a des druides, non ? Ouais, moi, j'irai les voir. Bon alors, à votre avis, vous voulez aller les voir direct ? Ou peut-être qu'on va foutre le bordel à la carrière ou je sais pas. On y va, on les tue, après on passe à la carrière, on tue tout le monde, on tue Corien, on rentre et on picole. Moi, je pense que si on veut que les druides nous disent quelque chose, c'est en leur disant que tant que nous ne savons pas où se trouve la cache du Corien, nous ne partirons pas de l'île. Je pense qu'ils vont avoir qu'une envie, c'est qu'on se barre. Si on commence à faire n'importe quoi dans la forêt. On peut mettre le feu à la forêt, sinon. Oula. C'est peut-être un peu radical. C'est un peu radical, ça, quand même. Et puis, s'il y a trois bonhommes qui arrivent à littéralement modifier une île entière, c'est qu'ils peuvent potentiellement peut-être nous éclater la gueule. Petit détail. Il pèse quand même, je trouve. Moi, je dis toujours, faut savoir choisir ses ennemis. Hein. Mais on s'en fout, bordel, faut se casser de cette île. J'avoue que tuer tout le monde, ça risque de prendre du temps quand même. C'est là... J'ai plus d'alcool dans le sang, j'en peux plus. T'as pas une bouteille de rhum ? Ça va jamais tenir, ça va jamais être suffisant. Druide, écoute, de l'alcool, hein.
C'est ce qui reste. On va voir les druides. Les druides, c'est une bonne idée. Allez. Elle est facile à convaincre. Elle fait bon, bah alors, on va dans les bois alors. Ou on suit la plage. Les druides. Moi, je suivrai peut-être la plage, histoire de voir si on ne trouve pas des crabes. Il n'avait pas dit qu'il y avait des crabes énormes. Je pense qu'on en a croisé plein, là, déjà. Je me ferais bien une petite tourte aux crabes. On les prendra en retour. Ouais, on va chaque chose en son temps, quand même. On peut s'occuper de quelques crabes, ça nous permettra effectivement de prendre de la nourriture et de fâcher les druides. Donc ils viendront nous. Ah mais je sais pas s'il faut les fâcher les druides. Hein. Ouais, peut-être déjà les rencontrer, on saura après s'il faut les fâcher ou pas. Ouais bah on dira qu'on savait pas ce qu'on faisait. Voilà. Il faut toujours écouter la sagesse de Razor. Alors, vu les capacités d'acteur de notre Corien, tu es quand même mal barré. Quoi. Je ne suis pas un Corien, je suis un Olcadien. Ouais. Me confonds pas avec ces connards. Le Corien, c'est celui qu'on doit trouver. Ouais, enfin, le chef, quoi. Bon, donc, il y a Damo, j'y suis. Bon, on se chasse quelques petits crabes normaux, hein, pas des grands trucs, hein. Si on se chasse quelque chose, autant prendre quelque chose de gros. Quelque chose de gros. Bon bah ok. Bon allez les gars. On y va. Sinon. Pendant ce temps-là, le petit derrière, en levant le doigt, je crois pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Non, bien sûr, tout le monde se bat. En fait. Ah, okay. Bon écoutez, c'est ce que vous avez décidé. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis j'ai toujours apprécié me battre contre des crabes, et comme ils m'ont dit, on aura plein de nourriture comme ça. Il y a juste une petite voix qui me dit qu'il a pas pris de battle map pour la plage. Parce qu'il pensait qu'ils allaient aller dans les bois ou les marais, mais pas la plage. Quelle bande de gros lourds. Ah les gros lourds. Ah les gros lourds. Mais une carte de taverne, c'est bon, ça fera l'affaire. Une carte de taverne, non mais ça va pas, non. Ah mais ils sont sortis de la taverne sans se battre. Ah oui, c'est vrai, vous vous êtes pas battus. Alors nous non, mais rouge. Ah oui, mais rouge, ouais, rouge, elle a donné des baffes. Ouais. Alors la tradition à respecter. Mais heureusement, vous avez vos deux compagnons. Alors plage. C'est bon, je peux t'en envoyer si tu veux. Ah non, c'est bon, j'en ai une, t'inquiète. Quoi, le problème, c'est qu'elle a un quadrillage, mais va falloir faire avec. Sinon, t'avais la battle map falaise, quelque chose de la faire. J'en ai une sans battle map. Elle est toute belle. Oh, bah elle est belle celle-là. Tu regarderas ta battle map falaise. Battle map falaise. C'est la même, c'est ça? Non. C'est pas loin, ouais. Pas loin. Ouais, mais non, parce qu'il y a une caverne et tout. Je vous préviens, en rentrant, je brûle la taverne avant de partir. Ça te prendra pas feu, le mois. Ah, mais non. La pauvre taverne. C'est vrai qu'elle mérite pas de s'appeler taverne. Le mec, il a même pas fait l'effort de lui donner un nom, quoi. Ouais, il a été quand même aimable, hein. Il a pas donné de nom. Hein. Donc, alors, vous avez donc provoqué un événement, une rencontre, pour essayer d'attirer les druides, on va tuer plein de monstres. Les pauvres monstres qui n'ont rien demandé, mais bon. Alors, bien entendu, ça veut dire que ça dépendra de votre jet de survie. Ah, au secours, un monstre m'agresse. Ah, je dois me défendre. Et là, c'est une libellule. C'est une libellule. Et c'est mon texte. Il manque qui là? Il manque Hunt, non? En survie? Non, non. Chercher. Et on a récupéré nos points de vie, non? Juste votre niveau en points de vie. J'ai fait mon jet de survie. Notre niveau en points de vie. Et il y avait 300 pièces d'or d'équipement à prendre. Oh, d'accord, je vais le faire. T'as pas dépensé tes sous? On a eu 300 pièces d'or. Plus 960.
Ah, mais c'est Razor que j'ai oublié. Voilà. Ah, mais c'est, j'avais déjà noté. Grâce à notre plan génialissime. Ah. Ok. D'accord. Bah... Bon, bah vous avez un dragon, les enfants. Non, 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 ça va être des crabes. Vous allez chasser des crabes. Attends, t'as le mec qui chasse des crabes. Ouais. Alors, on va chasser le crabe. Ouais, il y a un dragon juste là. Mais c'est pas ça qu'on chasse. Comment t'as pu confondre? C'est un dragon qui marche, sur le côté. Il marche sur le côté. Ou alors, c'est un crabe germaine. Le crabe germaine, ah, le crabe germaine, si t'en vois un, déjà, il mange les kraken qui sont dans le coin. Bref. Tout ça pour dire que vous avez des crabes géants, mais vous allez en avoir plus d'un. Je crois pas, quoi. Faites chier avec des crabes. Si on s'est reposé, moi j'aurais quand même, j'aurais quand même bu des potions pour me soigner. Non, on s'est pas reposé. Putain, mais franchement, c'était en la forêt, quoi. La forêt, bordel. Non, les crabes. Non, non, il a fallu que vous preniez les crabes, quoi. Et en plus, vous provoquez avec et des crabes. Franchement, c'était quoi d'ailleurs le truc aux crabes qu'on avait mangé? Bon, bah, je vais prendre une image de crabe, déjà. Montrer le fameux crabe. Ou pas. Ouais, mais ouais, bah ouais, j'ai pas. Ah, sérieusement. Ah, là, vous allez me le payer. Hein. Ça va être des crabes FP15 de 60 mètres de haut. Alors, alors. Donc, plus en attaque et une CA de 80. Amusez-vous. Attends, depuis le début de la partie, tu nous parles des crabes. Mais ouais, mais normalement, vous devez aller tout. Quoi, bon, bref. C'est suffit, j'ai pas d'excuses. On fait jamais ce que le FJ a préparé. Voilà, alors voilà un peu les crabes qui vont vous tomber dessus. Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire ça rapidement. De toute façon, au moins, ça vous fait marrer. C'est déjà le principal. C'est gagné. Après, on repart à la terre. Et on la brûle. On rentre. On dit qu'on l'a pas trop. Au pire, on capture quelques crabes et on les met dans la taverne. Non mais attendez, les mecs ils vivent sur cette île, des crabes, ils ont tué, ils les chassent quoi, ils vont pas paniquer avec des crabes, oh là là là. On capture un crabe, on le met dans la taverne, il tue le crabe, les druides arrivent, ils se font choper, on aide les druides et on a gagné. Un secours. La taverne pour l'effondrer sur les druides. Bon. Alors vous inquiétez pas, il y avait des créatures mais j'avais pas de token, donc j'ai été obligé de refaire un token. Et comme ça, c'est fait. Comment Hop. Ça, les joueurs s'emmerdent? Je ne vous permets pas, monsieur. Bien sûr qu'on y va. Donc, avec vos G, heureusement que Hans et Wachi étaient là, hein, parce qu'il y en a d'autres. Entre Razor, bah, d'ailleurs, il en manque un. Bah, il manque Rilan. Hein. Rilan, fais-moi ton G de survie, là, pour essayer de chasser. Là, pour voir combien de crabes vous avez attiré. J'ai déjà dit que Charles. Ah non, tu le fais quand même. Ah, mais justement, tu le fais quand même. Ah, d'accord, ok. Ah, j'avais pas fait, moi, attends, je vais me mettre dans la tour. Faites quand même, parce que si vous faites les boulards, comme vous êtes en train de faire, oh là 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 là. Ah, vous chassez le crabe, hein. Ah, et tu vois qu'il fait, ouais, alors, il y en a, en effet, il y en a beaucoup, hein, comme dirait Hans, il y en a pas mal, il faut pas trop les attirer en même temps. Pas mettre trop d'appât parce que sinon les crabes ils viennent tous et ils essayent de le bouffer, ils sont assez agressifs. Résultat, bah vous avez fait nawak, vous avez pris des saucisses, vous avez vu des mecs qui étaient là, j'en ai marre, j'ai pas d'alcool, t'as Razor qui est là, bah, je me fais chier, des trucs comme ça. Bref, vous êtes en train d'attirer toute l'île, non je déconne, mais vous en avez quand même pas mal. Donc vous allez vous prendre. Je vais faire un compteur. Alors, pour voir, parce qu'il faut pas que je fasse un FP de malade non plus. Hein, je vais pas vous tuer. Avec des crabes. Il n'y a pas des. Comment ça s'appelle? Des crabes dans le. Enfin, dans le. Dans pas souvenir tiré.
Alors c'est parti. Donc vous remarquez que Dame Rouge essaie de se débattre, elle a plein. Ah ouais non, je sais pas trop. Et donc vous voyez qui vous avez attiré pas un, pas deux, pas trois, mais quatre crabes géants. Qui malheureusement, quoi si ils agiront tous à la même vitesse. S'il y a parmi les viewers qui veulent devenir un crabe, vous pouvez. Ah oui, c'est bon. Et donc, j'ai oublié de me mettre en ouf. Ne pas déranger, si on entend les... Ah oui, l'unité, c'est vrai. Et vous voilà, alors... Ah ouais, au chafon. Donc, pour votre position, je vais vous laisser vous positionner... Quoique non, vous êtes en aléatoire, je vous ai mis là, comme ça. Et en gros, les 4 crabes vont avoir une cible à eux. C'est-à-dire, allez hop, on va jeter un des 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Wachi. Voilà les 4 crabes. Allez, on s'en fout. On va mettre une musique de combat. Les 4 crabes. On va les mettre comme ça. Vous aurez le droit d'avoir une action, c'est-à-dire un mouvement ou une action simple, avant que les trucs commencent. Et ils arriveront comme ça sur vous. D'accord ? Ok. Je vois qu'il y en a un qui n'a pas la battle map. Je vous le repartage, je sais pas qui c'est qui manquait, mais je lui donne. Comme il y a un double quadrillage, tu veux bien nous bloquer les tokens, là, qu'on puisse oui, bouger. Oui, je vais vous bloquer les tokens. Voilà, lock token, c'est fait. Allez, c'est bon, c'est parti. Pendant ce temps, je vous laisse faire votre action, mouvement, etc. Et je valide. Quoi, non, vous avez pas le droit à une... Quoi, vous avez le droit à une action simple si vous voulez pas bouger. Si vous voulez faire un sort ou quoi que ce soit défensif, vous n'avez pas le droit de les attaquer. Parce que vous êtes en mode panique, hein, je vous le dis direct, vous êtes nul à chier. Bref. Du coup, en fait, c'est comme si on était surpris, non? Ou un truc comme ça? Non, vous n'êtes pas surpris. C'est comme, vous avez le droit quand même une action de mouvement, etc. Et, okay. Pendant ce temps, je vais essayer de gérer la musique. Donc, je vais faire stop. On va bouger alors. Et on va mettre la musique de combat. Ça va chier. On va mettre une musique épique. Parce que vous vous battez quand même contre des super... Je bouge. Super crabes. Que vous avez vous-même provoqué. Sérieusement, si vous mourrez. Sérieusement, si vous mourrez, je rigole. Parce que ça veut dire que vous vous serez tué tout seul. J'aurais même plus besoin de rien faire. Bah, c'est déjà le cas. En fait, on a failli déjà se tuer tout seul plusieurs fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous retirez la merde en permanence. Hein. Ouais. J'ai du mal à trouver mes propres... Attention, je mets la musique du bot. Je vais mettre... Je l'ai mis en stop, zut. Ça fonctionne ou pas? Non, j'entends pas, j'entends rien. Ah zut. Ça doit être résumé. Alors, c'est bon, vous avez joué? Ça a plus qu'à valider les mouvements. Ah ouais, désolé. C'est bon, il y a la musique qui arrive. Oh là là, les chants grégoriens et tout. Alors, messieurs, je vous valide tout ça. Accepte le mouvement, accepte le mouvement, accepte le mouvement. Vous l'avez donc tous fait. Je considère que vous avez tous joué. Attends, je suis pas bien sur ma case, moi. Ouais. Là, t'as essayé de grimper, c'est ça? Oui, exactement. Si j'ai l'acrobatie, non? Non, d'escalade. J'adore les gens qui essayent de grimper avec de l'acrobatie. En salto arrière. En salto arrière. Oh, bah, je veux grimper. Oh, acrobatie. Tu veux grimper une corde? Acrobatie.
lui faire un jet de connaissance, acrobatie. Alors, donc, Wachi, t'as pas bougé. Ah. Razor, t'as pas bougé. Razor a fait abondance d'ammunition. Ok, c'est bon. On y va. Donc, premier round de combat. Oui. 14, oui, c'est bon, j'accepte. Mais non, mais c'est pas la bonne musique. Ça doit être next. Voilà. Ça a l'air mieux. Allez, donc c'est parti. Hans, tu as 4 crabes qui arrivent sur vous. Je sais même pas si j'ai mis le bonus de 5 PV. Non. Allez, c'est parti. Hans, à toi. N'oubliez pas que vous pouvez mettre vos mouvements, vous pouvez les préparer. Ah oui. Donc là, j'ai en plus de mon mouvement, alors. Alors, donc, d'accord, tu veux grimper sur la falaise, comme ça, toi. Ok. Bah, je veux... Mais c'est un gros rocher, quoi. Oui, c'est un gros rocher, ouais. Tu peux... voilà. Je veux le contourner, en fait. 65 mètres de haut... Ah bah, ça n'a pas l'air, enfin, je... Bon, t'as plus 11 en acrobatie, je te fais pas de G, donc tu marches là-dessus comme si t'étais... Comme si c'était du terrain plat, quoi. C'est quelque chose... sans souci. Alors voilà, je te fais déplacer, vas-y. Et tu fais quoi d'autre? Est-ce que je peux faire une attaque acrobatique, c'est-à-dire que je saute de là, hein, et je vais essayer Je te l'accepte, vas-y, donc tu utilises la technique faire une attaque acrobatique, donc tu fais une pirouette. Exactement, tout en faisant une attaque sur le pauvre crabe qui pour le moment n'a pas de nom. On va leur donner des noms. Le quatrième, on va l'appeler Robert. Moi j'aime bien les Robert. C'est le crabe Robert qui est brutalisé. J'ai rajouté plus 5. Est-ce que ça marche? Parce que c'est pour traverser une zone de. Pour passer la zone de. Ouais. C'est avec ma ceinture de cabriole. Oui, on va dire que oui. Que j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Est-ce que j'ai dépassé de 5? Est-ce que tu as dépassé de 5 la difficulté? Je ne pense pas. Tu veux dire par rapport au mec? Ouais. Ah oui, c'est DMD du crabe en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Le DMD du crabe avec le plus 5, il est à 15, donc il est à 20, donc non. Ah. Donc non. Ensuite. Hop, Wachi. Alors à moi, alors pour commencer, vous me voyez prendre et dire tiens, je vais utiliser ma nouvelle posture de combat. Et là vous voyez que je prends une posture de combat un peu bizarre et je prends mon crochet multifonction en une espèce de main mais avec un doigt d'honneur disproportionné. Et là ma voix change. Oh, école du fils de pute. D'accord. Voilà, c'est comme mon école. Du coup, je fais une charge. Et premier don, lorsque j'utilise cette posture d'école, j'ai le droit de faire juste des sales coups lorsque je fais une charge, avec les mêmes bonus. Ok. Bah vas-y, fais un sale coup à ce pauvre crabe qui s'appelle oui, Gisèle. Mais c'est pas fini. Ah non, Gisèle, oui. Non, c'est pas Gisèle, c'est toujours Robert. Je suis en train de leur donner des noms. Ouais. Alors on a Gisèle, Robert. Mais sache que c'est pas fini parce que grâce à un bon combat déloyal. Lorsque je fais une manœuvre avec une tenaille, j'ai un bonus de plus 4 et de plus 2. D'accord, ben vas-y. Voilà, et je vais avoir d'autres effets, mais ça c'est un peu plus tard. Alors le sale coup. Non, pas celui-là. Ah. Un petit passé, bon sale coup, le voilà. Alors pendant que tu fais ça, je te laisse faire. Je vais faire jouer Philnest à toi. Il sera certainement diminué, si j'ai bien compris. Alors, moi, grâce à un autre don, je peux mettre deux effets en un seul fois. Ah bah vas-y, alors, qu'est-ce que tu mets? Bah là, je fais un bien coup de pied dans les yeux, donc il sera aveuglé, et je vais essayer de lui marcher sur les pattes. Il sera enchevêtré. Aveuglé et enchevêtré. Le pauvre crabe. Donc, c'était Robert. Hein, c'est bien Robert, c'est ça? Oui, c'est Robert. Robert s'est fait marcher sur ses pattes. Vous vous rendez compte? C'est un crabe, on lui marche sur les pattes, et on lui a mis du sable dans les yeux, c'est un crabe.
je vais marcher sur les yeux. Voilà, en fait, on lui a mis de l'eau salée dans les yeux. Il a fait « Ah, mais t'es con, Robert, t'es un crabe !» Oh, merde. Donc, justement, elle est douce, c'est de l'eau douce. C'était de l'eau douce, il a utilisé sa gourde. Ah, non. Question bête, je dépasse de combien son BBA? Bah, de 5, c'est seulement, c'est tout. De 5 quoi, ouais, de 5 plus, 5 ouais, points, parce qu'il a 15, donc ça fait 23, au total ça fait 8, mais... Ça fait ouais, pas plus enfin, 10. Parce que tous les 5 points de différence, c'est un tour de plus. D'accord. Alors, c'est pas fini. Pauvre crabe. Ils ont rien fait, quoi. Bon, alors, Phil, à toi. Ok, bon bah, moi je vais lui foutre un petit coup, hein. Bah écoute, vas-y, hein, attaque. Bien écoute, tu l'as touché, hein, le pauvre crabe aveuglé, tout ça, il se prend 30 millions de bandales. Pam, pam, il se prend une attaque de rapière. Vas-y, fais du mal. Et là, c'est la vengeance des Robert. Je les ai tous appelés Robert, comme vous avez pu le voir finalement. Alors, il y a Robert, Roberta, Roberto et Robert Gros. Et là, c'est à Robert Gros. Robert Gros qui est, bah en fait, bah Robert Gros qui va charger la première créature qui est en face de lui. T'as la charge d'un crabe, ça va être beau à voir ça. Et voilà. C'était beau, c'était magnifique. alors Robert qui en peut plus, hein, le pauvre vieux, ne peut pas, comme il est aveugle, je vais déterminer une cible aléatoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 étant notre ami Hant. 4, et bien en fait, il tape sur celui qui l'a frappé. Qu'il n'a pas aveuglé, hein, parce que l'autre, on lui a aveuglé, on lui a mis de l'eau douce, on lui a piétiné ses pauvres papates sensibles. Hein. Et c'est un critique hein, de la part de Robert, mais et ça touche en plus, il décolle pas. Donc, Phil, tu vas prendre 6 points de dégâts. Et en plus de cela, tu vas être grabé. Il va essayer de t'agripper pour éviter que tu arrêtes tes conneries. Il a fait 24 et il a réussi. Je pense. Je pense pas que tu dois être à 36 millions quand même dans CMD. Voilà, 19. Donc, il t'a agrippé. Donc il va pas pouvoir faire grand chose, hein. Le pauvre Robert, il va essayer simplement de l'étreindre, si c'est ce qu'il va faire, il va mettre 1 des 4 plus 2, il va mettre 3 points à notre ami Phil, et il est en train donc ben, de le tenir comme ça, il est en train de lui faire mal. L'autre il essaye de se défendre hein, bien sûr, pour l'instant il n'est pas blessé plus que ça. Alors grapple aussi pour Robert, Robert il a tous les trucs hein. Il est grapple, blind, il est total. Vas-y, hop, alors hop. Ensuite, donc, c'est Roberta. Roberta qui s'attaque toujours à la cible la plus proche parce que c'est un crabe. Et il va donc s'attaquer en tenaille à notre ami. Nani ? Nani ? Et c'est un échec critique, t'as le droit de lui mettre une superbe attaque d'opportunité, ce sont des crabes totalement nuls. Voilà, alors avec mon outil multi. Et Roberto ton... qui est ici va s'attaquer directement à notre ami Wachi. Et qu'il le touche. Il touche. Il t'en met 6 et il essaye de te grabé, donc je vais faire ça en fait, et je vais ajouter 4. C'est un critique, clac. Il te prend et il te remet 1 des 4 plus, plus 2. Il te met 2 plus 2, 4 points de dégâts dans ta tête. Je sais pas, j'aurais pu jeter. Ah, faites-moi les malins là. On va tous mourir. Je suis Dieu. Ah, tu bien loin. Là. Putain, j'espère qu'elle va être bonne la tourte après. Hein. Mon dieu, ces crabes sont faits en scénario. Ils sont bénis. Ils font que des vins. On est perdu. Alors vous voyez bien entendu que Dame Rouge est en train de se battre. Allez les petits gars, vous laissez pas faire. Mes gros seins vous interdit de flancher mes petits gars. Ouais, ça doit être pratique pour casser les pattes de crabes ça. Exactement. On imagine bien les techniques de Dame Rouge.
Allez. Razor. Razor, je sais que tu avais des problèmes de son, oui, mais comme tout à l'heure... Oui, je me déplace. Ok, tu vas prendre une attaque d'opportunité, alors ? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ça marche. Alors, c'est le superbe crabe qui te rate. En tir concentré. Tir concentré. Tir à bout portant, tir concentré, je tire sur, sur le... Roberta. Donc, tu utilises tes techniques de tir de concentré. Non, c'est pas technique, puis tes sortilèges. Et tu tires une flèche. Et tu vas essayer de le désinguer. Et tu le rates. Et il est costaud, ce crabe. D'un coup. Et donc, c'est à Rilan qui n'a plus fait son mouvement, finalement. Il était en train de faire n'importe quoi. Ah, si. Ouais, non, mais j'ai essayé de me mettre devant, devant Razor, mais je peux pas y arriver. Donc, je vais rester là pour l'instant. Le crabe Robert, si je me souviens bien, est diminué. Tout à fait, le crabe Robert est diminué. Il est aveugle, il a très mal aux pattes. Il a fait très mal. Rilan, en avançant vers le crabe, va prendre deux dagues dans sa main et il va lancer les deux à la fois avec donc un double lancer. Ça marche, donc. Voilà, donc le double lancer. Donc cette technique te permet de lancer deux dagues. Voilà, tout à en fait. Une seule attaque. La première, c'est une attaque, enfin c'est une attaque sournoise de toute façon, et il est diminué, donc j'ai plus 3 à l'attaque, plus 3 au dommage. Et c'est un critique. Et c'est un critique, donc tes deux dagues font le maximum de dégâts. Et avec... l'attaque sournoise. Et non, l'attaque sournoise, tu mets, voilà. Tu jettes toujours à côté. Donc ça fera 8 et 8, 16. 16 plus les 3 points de la diminution, ça fera 19 points de dommage. Ok, Robert a super mal tout d'un coup. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il vient de se prendre des dagues qui ont failli le tuer. Le pauvre, ça a ricoché sur sa carapace et vous le voyez totalement désarmé. Vous comprenez que celui-ci est quasiment achevé. Il montre des failles incroyables qui pourraient immédiatement le tuer. Si bien joué, Watchy. Et c'est à Hans. Alors moi j'avais déjà fait mon mouvement. D'ailleurs, je veux un petite remarque technique, okay. C'est que j'avais fait une frappe acrobatique. Oui. Et en fait, le fait de dépasser de 5, ça fait que l'autre est pris au dépourvu, mais j'aurais dû lui faire une attaque quand même. Eh bien, ok, ça marche. Bah écoute, c'est pas grave. En tout cas, t'as fait ce mouvement. Eh ben, je vais faire une attaque. Ouais, du coup. Eh ben ouais, mais tu vas te faire attaquer par un crabe. Et non, attaque acrobatique, deuxième essai. Ah non, attaque acrobatique. Oh là 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 là. Je réessaye, mais une attaque acrobatique. Vas-y, vas-y. Parce que l'autre, il est aveugle, il peut pas te faire d'attaque d'opportunité. Oh, pro. Mais il y a des ans que j'ai des games. C'est sûr. J'ai quand même un doute. Et donc, je vais lui faire... Oh, il est pris au dépourvu. Il a donc au bonus au dommage... Ah non, déjà, je fais mon... Vas-y, frappe-le. Alors, il est pris au dépourvu. C'est Roberto qui se prend une attaque. Est-ce que Roberto va survivre? Nous le saurons dans quelques instants. Roberto prend une attaque terrible. Et donc il prend en bonus aux dégâts ma Dex. Ben vas-y. Qui est exceptionnel. Et je lui fais une attaque. Ouais, mais t'as fait les dommages là. Ouais, et maintenant je refais mon attaque normale. Ah oui, c'est vrai. Tu touches. Par contre, j'ai pas le bonus de dommage de ma force, de ma dex. Ok. Donc, le pauvre Roberto. T'avais bien ciblé Roberto, hein. Oui. Non, t'es sur Robert. Ah non, merde. T'es sur Robert. J'ai oublié de changer la cible. Oh non. Je suis désolé. Donc, il faut que tu y rajoutes 12 points de vie. C'est bon, j'ai rajouté 12 points de vie et... Et enlevé 12 points de vie à Roberto. Roberto a perdu 12 points de vie. Oh. Donc, Hans a joué Watchy. N'oubliez pas de faire vos mouvements, tout ça. Bon, c'est vrai que ceux qui jouent après les crabes, ils vont certainement attendre.
Poitiers est un peu emmerdé, il s'est fait choper, il va tenter de sortir de sa chope, de la chope qui s'est prise, il va faire... C'est donc un... Ah, vous êtes tous les deux pris, en fait ? Eh oui. Ah, oui. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est donc... C'est du BMO, c'est ça ? Pour sortir, oui, il me semble. Vas-y, vas-y. Ouais. Tu dois dépasser son DMD. Tu as échoué. Roberto a un effet moins 2. Oui, bah lui aussi, il a grippé, en fait. Ah oui, c'est vrai que lui aussi, il t'a grippé. Ça passe. Ça passe. Donc, tu as réussi à te libérer. Que fais-tu ? Tu as une action mouvement ou une action simple ? C'était l'action simple, ça. Oui, ça, c'est vrai. Oui, bah, je vais rester là où je suis. Ça sera... Oui, ce sera moi. Ok, Phil, à toi. Tu as un crabe qui te pince avec ses grosses pinces énormes. Il essaye de t'écraser. Alors, Phil, vas-tu t'en sortir ? Vas-tu essayer de sortir de là ? Parce qu'avec ta rapière, tu ne peux malheureusement pas le frapper au corps à corps. Bah ouais. Par contre, du coup, c'est où le... Alors, c'est dans BMO, tu ouvres ta fiche. Ouais. Alors non, c'est CMB. Voilà, t'as plus 4. Ouais. Oh là. Bon, Robert, tu fais pas chier. Donc, tu restes une action de mouvement, que fais-tu ? Alors, tu peux faire un pas de placement si tu veux t'écarter de lui. Ou sinon, tu peux te mettre en défense, ou un truc comme ça. Ah, je peux pas lui refouter un coup derrière, en fait. Ah bah là, non. Et oui, c'est l'avantage du grab. Ouais. Non, c'est toi. Ouais. Je vais me mettre là. Alors, je t'ai laissé jouer. T'as fait un mouvement, peut-être, ou un truc du genre. Ok. Donc là, vous voyez que le pauvre Razor s'est fait agripper lui aussi. Et oui, c'est chiant les crabes. Il vient de lui en mettre 6 dans sa tête. Et il y a le crabe Robert qui va s'énerver. À tout moment, vous pouvez appeler de l'aide. D'ailleurs, Robert, il a encore grapple. Il devrait plus être grapple. Oui, je l'enlèverai après. La carte, je l'enlève, elle m'énerve. C'est juste qu'il a des malus en étant grapple. Ah, donc... Alors celui-là, lui, il est toujours aveugle. Il n'est plus grapple. Et il va essayer de frapper sur la seule cible qu'il a. Il sait qu'il y a quelque chose. Mais il est paralysé. Mais il y a un 20. Eh oui, mais il touche en plus. Il touche en plus. Oh la vache. Pas de bol. Il touche. Alors attends, non, en fait, il en a raté une et il en a réussi une, c'est ça ? Parce que les deux. Ah non, 15 et 2, 17. Ah ouais, il n'y a que le critique qui a touché. Bah écoute, tu vas te reprendre 6. Ouais, merci. Et il va essayer de te grapple. Mais avec plus 4, ça fait 18. Est-ce qu'il te touche ? Je vois pas le jet que t'as fait. Ah oui, non, si, 18, est-ce que ça touche ? Pour t'agripper. Oui, je regarde vite fait, 18, c'est pile poil. C'est pile poil, il t'a regrimpé. Hein. Ah. Il va te faire un D4. Tu te raté. Ah bah non, je vais faire les dégâts directs. Hop. Vas-y, Robert, tu déchires, Robert ! Tu déchires, Robert. Bravo, mes félicitations, Robert. Tu as dû finir Robert. Ouais, hein. Je sais, j'ai fait n'importe quoi. Là, vous le payez cher, eh oui. Alors que ça avait bien commencé tout le monde sur le même, et là, après. La stratégie, c'est du pile poil. Exactement ce qu'on appelle la stratégie chaotique. De quoi ? Stratégie ? Mais non, on fait n'importe quoi et ça va forcément fonctionner. Ah là 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 là, Roberta qui va s'attaquer. Maintenant, continue à s'acharner sur le pauvre Cobalt, mais il a fait un échec critique, et donc tu peux faire une attaque d'opportunité dessus si tu le désires. Ouais. Et Roberto, mon ami Roberto, tu vas
Il a déjà grapple justement notre ami le. Il va maintenir. Il va essayer de maintenir sa prise. Il n'y arrive pas. Bah c'est tout. Après il y a le constrict. Constrict, je m'en souviens plus trop. Et là, j'arrive donc à notre ami le mage. Tu es grapple, mon ami. Tu as fait un vieux 6 et il va certainement dire au secours. Ridan. Question, est-ce que un ennemi peut passer quand il est grappled, quand il est en situation de lutte, est-ce qu'il est considéré comme au dépourvu ou pas? Non, il n'est pas considéré comme au dépourvu. Non, donc mais... il peut faire des attaques d'opportunité, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, oui. Ouais. D'accord. L'autre, il est toujours blinded et untangled. Oui, tout à fait. Robert. Ok. Et ben Robert va se prendre une dague. Voilà. En sournoise, toujours. Putain, mais je suis vraiment con. Moi, j'ai oublié mes sournoises. Hein. Et là, on n'y croit pas. Rylan est en train de faire le café. Donc ça, c'était pour Robert. Et ensuite, je vais me déplacer. Allez, au contact avec celui-là, je vais essayer de distraire le... Je sors ma dague en me déplaçant et je vais... Oh, ma rapière. Ouais. Je vais essayer de distraire le Robert gros, là, un gros Robert. Pour qu'il lâche notre mage. Là. Ok. Notre pauvre gros Robert, il souffre le martyr. C'est l'autre, c'est Robert normal, pas gros Robert. Oui, c'est... Il est pas encore mort, d'accord. Ouais, non, la merde. Bon, les gars, faudrait peut-être lui mettre un peu de dé. Hein ouais, ouais, mais on y va. Alors. Sachez Valide. Que. Oui. Valide le déplacement. Pardon, oui. Et tu peux passer ton tour, Rylan. C'est bon, je l'ai fait. Hank, c'est à toi. Hans, je suis coincé. Ouais, bah, je vais aller essayer de tuer Robert. Donc, je vais faire la même que tout à l'heure. Youhou! Shakespeare. Je fais un salto avant, un salto arrière. Vas-y, vas-y. Vas-y, mon cher. Mon cher nain cabrioleur. Est-ce que ça passe, obèse. Oui, ça passe, oui, carrément. Donc, j'ai plus 5. Technique, tu utilises ta technique, tu t'es largement dépassé de 5. Tu m'as dépassé de 10. Donc je le tape. Tac. C'est raté. Je l'ai loupé, je le tape normalement. Donc. L'âge, par contre, c'est une hachette. Donc est-ce que c'est un. Non, c'est 20. Non, c'est 20. C'est marqué 6. Ah, dommage. Vous voyez que Jakespeare arrive pour essayer d'aider quelqu'un. Mais pour cela, il a perdu beaucoup de points de vie. Comme vous pouvez le voir. Parce qu'il vous sent un peu dans la merde. Cette fois-ci, j'oublie pas les Azaxonoises. Alors pour l'instant, il est là. Il n'intervient que si. Ouais, bah là, si tu pas possible. Oh là là, mais quel boulet. Mais putain, pas c'est dedans, pas vrai, pas quoi. Je fais que des conneries depuis. Faut rajouter 15 points de vie à Roberto et les mettre sur Robert. Voilà. Aïe. Mais j'ai oublié que 4d6 de dommage le tour d'avant. Bah écoute, hein, on fait de la merde, on le fait jusqu'au bout, on le fait pas à moitié. Alors c'était Robert, masse, c'est ça, ça c'est Robert qui... C'est ça, ouais. Alors Robert souffre dans d'atroces souffrances, comme tout bon crabe. Il pince qu'autant qu'il peut et il disparaît dans le sable, laissant une mare de surimi. Du coup, je ne suis plus grapple. Tout à fait. Et finesse non plus, d'ailleurs. Il l'a jamais été. Et donc, ouais. C'est si à Wachi, et après, ce sera à Phil. Faut lui enlever son petit effet. Donc voilà, j'ai mis un personnage pour dire que celui-ci est censé être les personnages qui risquent de souffrir pour vous.
durant cette aventure et qui risquent de mourir. Hein. Ce sont des PNJ de viewers et qui malheureusement en fait fait partie maintenant d'un joueur. Watchy. Watchy. Oui, c'est à moi. Alors Watchy. Il n'est plus grapple. Maintenant qu'il n'est plus grapple. Ah, il n'est plus grapple. Excuse-moi. Ah, non, cette fois, il va juste lancer un coup de clark sur la gueule. Bah, encore une fois sur les yeux et monter dessus pour marcher sur les pattes pour l'empêcher de bouger. Allez, on essaie. Comment c'est possible de marcher sur des pauvres pattes? T'as, j'imagine des crabes. Aïe aïe aïe. Je lui monte dessus. Donc, j'aime pas qu'on marche sur mes pattes. Hein. C'est juste cuirassé, hein, tu sais le truc. Je sais même pas comment tu peux lui faire mal. Mais. Bah, disons qu'à fois, moi je décris peut-être mal, mais bon. Mais non, mais t'as tapé dans les jointures, c'est qu'il lui fait bobo quoi. Voilà. Oui. Alors vas-y, n'attends pas trop. Oui, non, mais c'est bon, après t'as juste à mettre aveuglé, re-aveuglé et enchevêtré. Ah d'accord, il est encore aveuglé, le pauvre Roberto a subi le même sort. En même temps, ils n'avaient pas qu'à faire des tas aussi déséquilibrés les uns les autres. Du coup, tu peux m'en tirer mon effet aussi. Ouais, un instant, je mets blind. Donc c'est quoi, c'est Roberto, c'est ça? Ouais. Et... Intégral. Ça marche. Donc, notre ami, le chat, est sorti des serres du crabe, hein, en effet. Des serres? Des pinces? Oui, des serres, des pinces. Wow, allez, on va y arriver. Allez, file. Pardon, non mais vas-y, agis quand même, hein. C'est pas parce que je mets trois plans. Par contre, il se prend une attaque. Oui, il se prend une attaque, ouais. Pourquoi il a pas fait attention. Il a marché dans... Il a marché dans sa zone. Dans sa zone. Ah bah non, il est blind. Non, il s'en fout. Blind, ça n'empêche pas, non? Bah si, il voit rien. C'est vrai qu'il est blind. C'est vrai, juste... Non, non, il voit rien. Il le voit même pas passer. Il fait « Ah, j'ai de l'eau douce dans les yeux !» J'ai un crachat de cobalt dans la gueule. Donc il a frappé mais il a pas ciblé et 15 ah, c'est pas 15 c'est peut-être suffisant, je ne sais pas. 15 c'est suffisant avec ce que je lui ai mis. Ok, bah écoute, re-cible-le et fais bien les dégâts dessus. Et ensuite c'est à Robert Gros. Robert Gros qui a emprisonné notre ami, il va essayer de l'enserrer. Il va donc continuer. Non, il est plus grabble là. Ah, il est plus grabble sur toi? Ah si, pardon. Si, non, moi, donc il te fait 1 des 4 plus 2. points. Et non, il va pas donner d'autres coups de pince. Roberta, lui, va s'énerver. Mais il n'est plus en tenaille. Et il rate tout. Roberto. Roberto, lui, il est aveugle, machin, etc. Il n'a plus grappé, il est plus en grappe. Hein. Ouais, il est plus non. Hop, allez. Et bien, vu qu'il est aveugle, il sait pas sur qui il frappe. Donc, père, c'est sur Phil. C'est Phil. Salut, Phil. Encore. Et il te touche. Est-ce qu'on peut dire une phrase courte ou pas oui, en dehors de notre action? Jax, Vader Razor. Jax se réveille, je suis d'accord, je vais le remplacer. Alors. J'ai attaqué, mais j'ai pas fait les dégâts, pardon. C'est pas un critique, c'était simplement par rapport à sa chance, mais il a touché. J'ai oublié, tac. Il va faire 3 et il va essayer de le grapper, hein, parce que sinon c'est pas drôle. J'en ai marre. Les crapauds. Ah, c'est raté. Il nous vole le critique. C'est à Jax, donc Jax, il arrive. Il va, donc c'est une action de PNJ, hein. C'est le but, hein. C'est les PNJ qui font des trucs pour vous sauver. Vous les utilisez déjà, hein. Hein, vous vous rendez compte que vous avez créé et vous avez déjà réussi à les utiliser. Donc Jax va être blessé à la place de Razor, c'est-à-dire que tous les dégâts vont être redirigés sur Jax, tout simplement. Parce qu'en gros, il va prendre les griffes, il a libéré Razor
Et donc, en gros, il va se prendre gratuitement deux attaques de la part du crabe sur lui. Ce qui risque de le tuer. Parce qu'il s'était... Il reste du PV quand même. Voilà. Il touche Jax. Alors, il n'y a pas de grab ou quoi que ce soit, c'est juste des dégâts purs. Donc, il est toujours là. Razor, donc tu es libéré. Il est là, tu vois, Jax. Ah ah! Ne vous inquiétez pas, je suis là! Je suis Jax Spear. Toi qui te regardes. Et il est plein de sueur. Donc, tu m'enlèves le grab, s'il te plaît? Oui, je t'enlève le grab. Donc, je me recule. Et en tir concentré. Ça marche. C'est un 16, et ça touche. Alors, écoute, hein, le Robert Gros prend une terrible attaque de ta part. Et c'est à Rylan qui se déplace bizarrement. T'es sûr de vouloir te déplacer comme ça? Je voudrais faire un jeu d'acrobatie pour pas prendre d'attaque, c'est possible? Oui, mais tu peux le faire en biais. Ouais, il peut faire aussi un plat de placement. Ah, je crois pas qu'on peut... On peut faire en biais, oui. On peut pas faire un... Non, tu peux le faire en biais. Bon bah je me mets là alors comme ça on passe placement alors. Alors après j'étais en train de me dire que non en fait parce que vous êtes dans du sable. Normalement c'est un peu comme du terrain difficile. Donc je vais faire un jet d'acrobatie pour. Tu vas faire un jet d'acrobatie, j'aurais dû le dire mais j'ai complètement zappé. Parce que le sable c'est pas génial. Eh ben écoute tu ça as va aller. Oui ça va aller. Pardon c'était pas plus 12 c'était plus 10 c'est 28. Je suis en tenaille normalement. Exactement tu es en tenaille avec ta dague. Tu veux essayer avec ma rapière que j'ai dégainée. Avec ta rapière. Et j'ai appris une nouvelle botte. Tu vas tester sur ce crabe. Frappe précise. Frappe précise. Oh, t'essayes d'empaler la créature et celle-ci est touchée. Ciblé. Robert Gros se prend une terrible attaque. Mais c'est une attaque sournoise avec le maximum de dommages sur le sur l'attaque. Les dommages de la frappe précise au maximum. Puisqu'il est diminué. Il est diminué. Il nous prend une terrible attaque. Et c'est ta honte. Est-ce que je suis obligé de faire un... Là, je me dépêche de deux cases, donc ça suffit. Il est aveuglé. Hein. Oui, il est aveuglé. Oui, toujours. Je valide ton mouvement. Hein. De toute façon, c'est trop tard. Tu aurais dû y faire attention, mais il se passe rien d'autre. Ouais, je fais n'importe quoi. Hop là, allons-y. Et donc, tu touches. Ah, c'est un terrible combat contre des crabes. Hein. Donne tout de suite. Et ça sournoise. Hein. À la vache, c'est la partie où ça sournoise. Hein. Ah bah écoute, on essaye. Hein. Wachi. Alors Wachi, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, bah Wachi, ce qu'il va faire. C'est un terrain difficile. Du coup, il est obligé de rester là. Ce qu'il va faire. Ah, disons que ça, en fait, c'est un terrain difficile. C'est un terrain qui interdit les pas de placement. Voilà. Okay. Comme ça, vous avez vos mouvements normaux. Vous n'avez pas trop à vous prendre la tête. Mais Ce que Wachi va faire, c'est il va regarder le crabe Roberta, il va dire toi t'as pas eu ta dose. Et il va refaire rebelote. Qu'est-ce que non c'est pas ce que je voulais faire. Oh je suis sûr. Phil, prépare-toi. Voilà. Bon okay. Donc je remets la même chose. C'est ça. La même chose. Ouais, bah Phil, après, donc c'est à toi, donc pendant que je mets la même chose à notre ami Roberta. On va y aller. Roberta a été terriblement affectée comme tous les autres. On lui a passé ses papates, ça lui a pas plu. On lui a montré une photo de sa belle-mère. C'est pour ça qu'elle est aveuglée. Et donc, lui, il va se prendre deux attaques de la part et il va se prendre. Oui.
Il est terriblement blessé, Jakespeare. Oh, Roberta est aveuglé, mais il ne va pas se laisser faire. Il va attaquer lourdement son adversaire. Et c'est raté, Roberto, à toi. Roberto, toi aussi, t'es aveuglé. Toujours. Toujours ? Je crois que le score était assez haut, c'était au moins, c'est au moins 2 tours. Là. Ok, 2 tours. Après celui-là, il ne veut plus les tours. Eh bien, ah oui, de toute façon, il aggrabe, c'est ça ? Il aggrabe personne. Non. Ah non, il aggrabe personne. Bah écoutez, dans ce cas, il va cibler une personne au hasard. 1, 2, c'est notre ami Nain, après 4, 5. Et donc, bah, c'est l'ami Wachi qui va être attaqué. Et oh là là, mais j'ai une merde. Bon, bah écoutez, hein, Jakespeare souffre bien entendu. Razor, c'est à toi. Bah, tir concentré sur la BCO. Hein. Donc, tu reprends une flèche et tu te concentres sur l'ami Roberto. Tu veux dire, tu vas te venger, je veux dire. Ah oui, tu te venges, en effet. Ah oui, là... Bon bah, Robert Gros décède et laisse du surimi partout. C'est dégueulasse. Ah bah écoute... C'est dégueulasse. Donc là où en fait, où il y a des croix, c'est là où il y a du terrain difficile, quoi. Terrain difficile, vous devez passer de... Alors, Rilan, tu vois que le crabe t'a éclaboussé de surimi. Et bah, il va se déplacer comme ça, là. Ça marche. Tu peux pas utiliser 2 fois la même technique de suite, c'est ça, hein ? C'est ça. D'accord. Et ben, je vais... cette fois-ci, puisque je me dis qu'ils vont peut-être se retourner contre moi et que j'ai un peu peur, je vais me mettre à faire une position très particulière, une position martiale de l'escrime. Technique. Et comme mon adversaire est en diminution lors de l'attaque, j'ai le droit à utiliser une autre technique gratuitement. Exactement. Et donc, je vais utiliser le jeu de jambes éclair qui va me rajouter encore un plus 2 à la classe d'armure et un plus 4 au dommage. Vas-y. On a enlevé le dommage en diminution. Ouais, ça a été nerfé. C'est d'accord, toi qui l'as demandé, en fait. Ah oui, je crois que c'était pas un autre. Quand on en avait parlé, on a fait « Oui, t'as raison », et c'est pour ça. D'accord, je croyais que c'était sur le... Il y en a une autre ah aussi. Ah non, c'est hein. Ça, c'est... C'est bien, c'est... et oui, pas non, machin, sûr, et normalement, ouais. Voilà. D'accord. Bon, 20, de toute façon... Ça a été nerf. Pauvre Roberta, c'est à Hans. Ben je ne bouge pas. Je vais frapper violemment. Vas-y, vas-y. Voilà, ça risque d'être assez rapide. Ok. Ça touche ? Oui, oui, ça touche, oui. Ah bah, avec tous les trucs qu'il a... Avec tous les debuffs que je mets, oui, ça... Le pauvre crabe décède ! Encore une fois, du sang partout. C'est en bouffer un au passage. Ah, Roberta ! Ah, tu vas mourir. Mourir, Roberta. Ah non. Alors, moi, je vois, j'expire un peu dans la merde. Je me dis que, bon, bah, le crabe Roberta, il est au moins aveuglé pour moi, une douzaine de secondes. Et donc, je dis, allez mec, remplacez-moi. Et j'utilise un point de souffle pour faire science de la roulade. Paf. Science de la roulade. En gros, j'ai le droit d'utiliser mon action d'opportunité pour me déplacer de la moitié de mon déplacement. Alors, des points de déplacement ici. Et j'ai un plus combien 4, je crois. Oui, ça doit être ça. Et j'ai, non, plus 2 contre les attaques d'opportunité. Comme il est blind, il ne peut pas te faire d'attaque d'opportunité. Donc okay. Tu as fait ta roulade. Et du coup... C'est classe. Voilà, ouais. Et du coup, par mon action de mouvement, je sors une potion, et action simple, je lui fais boire, et je dis « Ah, t'inquiète pas, mon pote !» Tu essaies donc de sauver... Ouais, bah oui.
Ah, il est sympa. Bah oui, c'est un de vos frères. Bah écoute, tu peux en effet le sauver. Il était quasiment mort, mais... c'est ta Phil. Phil, t'es sûr de ton déplacement? Ou tu veux pas le changer? Phil Nest, Dalmar. Ok, merde. Tu l'as sauvé. Il est sauvé. Sache-le. Non, ouais. Hop, ok, vas-y mon petit Phil. Tu peux t'ajouter un plus 2. Quoi, tu jettes et je t'ajouterai un plus 2. Et t'as oublié de cibler, c'est pas grave. Je vais le faire à ta place. Non, c'est bon, tu l'as fait. Donc, 4 plus 10, 14 plus 2, 16. Et bien, heureusement qu'il y a ça. Sinon, tu l'aurais pas touché. Vas-y, fais les dégâts. Oh putain. C'est moi que t'as fait que des 1 ou des 1. Ouais, non, presque. Ah, écoute, il aime les faire souffrir. Mmh. Eh bien, Roberta va essayer de se défendre. Il a plus sa cible de base. Il est toujours aveuglé? Non, là. Oui, oui, toujours. J'ai fait des sacrés jets de sale coup. Hein. Celui-là, je viens juste de l'aveugler. Ok, ça marche. Donc, père, c'est Phil, toujours. C'est Phil. On lui en veut. Je ne comprends pas. Je me suis mis en garde, tout ça. Je vais attaquer. Eh ben, écoute, il a essayé, mais avec Phil, il n'y arrive pas. Il claque. Et je pense que ça va être la fin de la pauvre bestiole. J'ai une affinité avec... les bestioles marines. Avec les bestioles marines, en effet. Mm. Mais en fait, tu les comprends. Hein. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai que tu les comprends. C'est pour ça, tu ça comprends les crabes. Les tuer. Donc tu les entends faire « Ah, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé. Robert !» Tu les entends appeler « Robert, non! Oh non, Robertin !» Oui, c'est un champ de bataille dramatique. Et oui, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, Phil a le pouvoir de comprendre les animaux aquatiques sans pouvoir leur parler. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un poisson l'insulte, il l'entend. Ouais, tu pourrais bouger ton gros cul. Ah, c'est Razor. Oh là là, joli. Mais Razor est bien silencieux. Est-ce que c'est ton problème? Moi, je fléchouille, moi, tout le monde. Tu fléchouilles. Mais pauvre Roberta se prend encore une flèche dans la tronche. Je pense que vous allez l'achever d'ici quelques instants. J'étais en train de même me demander si j'allais continuer. Ou si je vais... on va laisser Ridan. On va faire ce tour et j'imagine qu'il va... Donc j'arrête ma technique. Je vais faire une attaque tout à fait... Et en fait... Oh, ah si, tu le touches quand même. J'étais en train de me dire, je fais, on va l'achever. Et non, ils l'achèvent pas, quoi. Ils le font exprès. Voilà, il est mort. Donc Roberta, il fait « Mes amis, nous sommes bien battus !» Donc Phil, hein, tu comprends. « J'étais honoré d'être avec vous !» Et le crabe meurt. En étant heureux d'avoir combattu à côté de ses amis, les crabes. Oh là là, mais ces crabes nous ont attaqués! Nous avons dû nous défendre. Nous avons les mangés. Il n'y a personne qui surveille ces créatures sauvages. Quel danger. Tu m'as fait un jet de comédie tellement pourri que tu mériterais de te prendre une foudre dans la tête tellement féroce. C'est dommage, il n'y en avait que 4. J'en aurais bien mangé une dizaine de plus. T'étais fait comme je l'ai fait à l'instant. Bah écoute, oh là là. Tu es en train d'essayer d'attirer, tu vois que Dame Rouge arrive. Ah, ça va les petits gars? Oh, Jax, pourquoi as-tu pris autant de risques? L'un de mes frères était sur le point de mourir. Regarde Razor, dans quel état il est. Razor, tu veux une potion? Ou t'en as? Je t'en pose des questions. Razor, allez. Moi, je t'en pose. Razor, viens étancher tes larmes sur mes gros seins. Bon, moi, je prends... Oh, tu boudes. Allez, viens. Toi qu'elle essaye de se serrer. C'est pas si grave, c'était qu'un crabe. Toujours amusé. Bon, bah, moi, j'ai commencé attendez, laissez terminer Razor. Je ne sais pas ce qu'il fait. Par pouce. Ah, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de vous, Rouge. Bon, laissons Razor grogner. Et nous allons pouvoir arrêter aussi la musique. Je vais devoir AFK un tout petit instant. Ça marche. Alors, donc, vous voilà en train de faire festoyer avec vos crabes. Et
voilà, le combat est fini. Hein. Vous avez remarqué que vous avez récupéré de la chair, des belles carapaces. Ça pourrait être quand même, hein, si vous faites un bon dépeçage, vous pourriez récupérer de bons morceaux de carapace de crabe de géant. Peut-être faire un petit feu là, sur un petit gueuleton. Ah bah ouais. Non, oui. Hans, il est. Non mais il a dit oui à mon avis là-dessus. Oui, il a dit oui, c'est sûr. Vous êtes donc en train de vous faire un bon gros méchoui. Ah, il a carrément perdu la connexion. Et pendant ce temps, vous voyez que Dame soigne des blessures de vos amis, hein, D'Artagnan et Shakespeare. Shakespeare qui a été assez amoché. Oui, il les soigne, elle fait des pansements et tout. Et donc, ce repas, il faut le cuisiner. Quelqu'un sait cuisiner ? Hans. Ah oui, Hans. Ah oui, bien sûr, il s'en va. Hans ou moi, je peux aider, mais... En tout cas, vous avez cherché hein, à attirer l'attention. C'est ce qui arrive lorsque vous voyez une étrange personne. J'ai fait un petit jet de survie pour voir moi, si je peux faire quelque chose. Bon, si Hans n'est pas là, je veux bien faire le jet de cuisine, hein, ça ne me dérange pas. C'est à vos risques et périls. J'aurais dû réduire à chaque fois, j'oublie. Il y a des champignons pour accompagner le crabe. J'ai une merde. Alors, Dame Rouge, je te fais... Non, Rilan, non. Pas de catastrophe, s'il te plaît. Faut pas qu'on ait des indigestions. Mais j'ai pas bu. Eh ben, justement. Quand t'es sobre, c'est encore pire. Tu grognes, tu te roules par terre, tu pleures, tu dis que la taverne, elle te donne pas d'alcool, tu veux brûler les gens, et t'es exécrable. Mais t'es mignon quand même. Ouais. Regarde, au moins toi tu te laisses faire, Razor, lui, il n'accepte même pas d'étancher ses larmes sur moi. Non mais il est ronchon, vous savez. Ah, ça c'est parce qu'on a encore rien trouvé d'extraordinaire. Des connaissances, c'est ce qu'ils recherchent. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire, ici. Prochaine fois, essayez de mettre un livre entre vos seins et lui, ça marche mieux. Ah, pas bête. J'essaie. Alors regardez, il y a un mec bizarre là qui arrive. Il fait... Bonjour. 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 Ah. Je vais revenir. Ouais, t'es revenu, j'ai vu que t'as été. Il a des champignons qui posent sur la peau. Ah, je suis un homme qui apprécie la nature. Je ne fais qu'un avec elle. N'ayez pas peur de mon apparence. Je suis juste une personne qui est extrêmement en communion avec l'île sur laquelle je vis. C'est pas dangereux ça, quand même? Parce que chez nous, on appelle ça quand même des champignons parasites. Hein. Ça peut les chauffer, faire choper des maladies. Mais ils sont en effet parasites. Ils se nourrissent de moi comme moi, je me nourris d'eux. Ils sont là pour vivre. Ils ont le droit. Ces plantes sont des êtres vivants qui ne doivent pas être chassés pour un rien. Alors, si je comprends bien, les champignons vous bouffent et vous bouffez les champignons. C'est un peu comme si vous vous bouffez vous-même, non ? Comme des peaux mortes. Écoutez, la connaissance de la nature est très importante. Apprendre à la connaître est un élément le plus important de la vie. Je vous assure que vous devriez être plus enclin à écouter les érudits et les sages tels que moi, afin de ne pas faire n'importe quoi comme vous l'avez fait aujourd'hui en vous attaquant à ces pauvres crabes, en les attirant vers votre garde-manger. Mais ils ont attaqué. Il faut bien que nous mangions. Oui, mais avec des limites. Et la limite est maintenant, je vais vous la poser et je vais vous expliquer les règles de cette île. Ou sinon, moi et mes confrères seront obligés de vous éliminer. Et... Ça va durer combien de temps? On n'a peut-être pas toute la journée ni toute la vie d'ailleurs.
Vous êtes toujours aussi malpolis, les pirates du coin. Vous êtes atroces, affreux. Mais la règle est la règle. On m'a dit de ne pas tuer à vue tous les étrangers venant sur l'île d'Abi, et je vais en effet tenir parole. D'abord, vous n'avez pas le droit de couper un arbre sans autorisation. Bon, des branches, ok, mais un arbre entier, il est hors de question. Vous n'avez pas le droit de chasser, sauf si une créature vous attaque ou si c'est pour vous nourrir, mais dans une quantité suffisante. Là, 4 crabes pour juste 7-8 personnes, faut pas déconner. Hein. Alors, là, excusez-moi, mais ce monsieur... Effectivement, il en manquait un ou deux. Ce monsieur compte quand même pour 12. Ouais, ça c'est justement de la saloperie de Goinfry. Vous n'avez pas tué toutes ces pauvres créatures pour rien. Alors, nous avons aussi, vous n'avez, nous ne sommes pas ici pour vous aider. Mais c'est eux qui nous ont attaqué, hein. Mais c'est pas possible, hein, ces pirates, je peux même pas parler. Non mais c'est vrai, on vous écoutez pas en fait. Mais, écoutez, on va avoir du mal à respecter vos règles. Mais on est ici juste pour trouver le repère d'un coréen et du sagouin. Donc dès que l'on les aura, on y sera allé, on s'en va et vous serez contents. Oh, tout ça m'intéresse pas. Peut-être les autres druides pourront vous aider, mais moi, ça m'exaspère, j'en ai que faire. En tout cas, une chose est sûre, vous n'avez pas le droit de tuer les créatures anciennes. C'est un gros sanglier, si vous le rencontrez, ou un énorme crocodile. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Vous pouvez les blesser et faire en sorte qu'ils s'en aillent, mais en tout cas, vous ne les tuez pas. Si vous osez faire ça, vous aurez intérêt à quitter l'île au plus vite, avant qu'on s'occupe de vous. Nous-mêmes. Ensuite, je vais quand même vous expliquer quel genre de créatures vous risquez de rencontrer. Il y a les crabes, que vous avez vus, mais sachez que c'est les plus petits. Il y a les crabes chasseurs de requins qui sont beaucoup plus grands. Je vous conseille fortement de ne pas les titiller. Il y a les moustiques géants du côté du marais, les crocodiles, les sangliers. Il y en a pas mal, hein. Et les vivernes. Alors... Les quoi ? Les vivernes, c'est une sorte de créature à écailles, avec des grandes ailes et une queue énorme qui empoisonne les gens. Non, je sais ce que c'est, mais enfin, je pensais pas en trouver sur cette île, quoi. Eh bien, nous avons la chance de pouvoir s'occuper de ces petites bestioles. Elles nichent sur le téton d'Abi, et il y en a à peu près, dans la région, il y en a 5-6, voire peut-être un peu plus, ça dépend. J'ai une question, monsieur. Oui. Vous avez de l'alcool ? Eh bien, écoutez, si vous voulez de la colle, il faudrait surtout certainement parler à un de mes collègues, mais celui-ci est difficile à rencontrer. Ils sont où, vos collègues ? Il faut vous chercher dites qu'il faut qu'on les rencontre, mais... Écoutez, ils s'occupent de chercher des herbes différentes pour essayer de s'amuser, ou ils s'occupent de leur hobby classique. Moi, je m'occupe des animaux, et puis c'est tout. Mon collègue qui s'occupe d'avoir de l'alcool, il fermente tout ça, il s'appelle Taurocusus. Vous pouvez essayer de le trouver. En général, il est du côté de la forêt. Si vous restez à pavaner pendant une journée, vous tomberez certainement dessus. On va faire ça, hein. Madame ouais. Rouge, on a une journée. Alors bon, voilà, vous avez mangé, il vous reste une après-midi. Moi, je vous conseille fortement de ne pas rester là. Vous n'avez rien à faire, et puis le nain dont vous parlez, c'est une exécrable créature que vous auriez plutôt évité. Oui, mais justement, il faut qu'on le trouve. Où il est ? C'est surtout sa maison qu'on veut trouver. Je ne suis pas là pour vous aider, je vous l'ai déjà dit. Je ne vous aime pas. Plus vite on le fait, plus vite on est parti. Moi non plus, je vous aime pas, mais bon, je vous pose quand même la question.
Non mais en plus il est exécrable, c'est que vous l'aimez pas. On le trouve. Il faut qu'on le ramène en mer, donc plus vite on le trouve, plus vite on est parti, plus vite on l'emmène avec nous. Hein. Je pense que vous avez tout intérêt à nous aider sans nous aider. Vous devriez parler à ces pignoufs qui creusent la terre. Leur chef le sait déjà de toute façon. Alors, s'ils veulent pas vous le dire, eh ben, ils n'avaient qu'à les contraindre à vous parler. Sinon, bah écoutez, essayez de trouver une solution avec mes confrères. Et moi, je m'en vais et je vous laisse dans votre merde. Et mangez bien, sachez que c'est les derniers crabes que vous avez le droit de manger. Faites une bonne réservation, une bonne réserve. Parce que je vous laisserai pas tuer n'importe quoi comme ça. Est-ce que c'est clair? Si on est obligé de rester un peu, on sera obligé d'aller tuer des animaux. Bon, ça peut encore se valoir si c'est pour juste tuer quelques-uns. Peut-être crabe, par exemple. Alors, bon. Vous devriez nous aider. Donc vous essayez de le persuader. En tout cas, l'autre, il a déjà essayé d'intimider. Ceux qui ont essayé d'intervenir, vous pouvez faire un jet associé à votre RP. Hein. Pour Azor, c'était plutôt de l'intimidation, j'imagine. Ouais. On le fait dans la tour ou... Oui, vous le faites dans la tour, s'il vous plaît. Persuasion, c'est bluff. Non, c'est diplomatie. Ah oui. Alors, Razor, en effet, l'a intimidé. Bah écoute, Razor, t'as été très intimidant, hein, t'as été très grochon, très ronchon. Il a été comme ça, il s'est reculé un petit peu. Et puis je lui dis, bah, de toute façon, quand on connaît pas ces animaux, on ferait mieux de se taire. Ah, il est ultra ronchon, notre Azor, hein, ce soir. Moi, je vais vous le dire. C'est simple, le gars, si vous voulez essayer de savoir comment contacter Rimir, ou tout du moins essayer de le pister, moi, je vous dis, essayez de parler avec le vieux qui s'occupe de la taverne. Mais il vous dira rien. Je sais qu'il a une sorte de contrat avec. Mais bon... J'avoue aussi que nous aussi on en a un, quoi, mes confrères. Avec cette chose qui aime se cacher dans une crique. Je ne vous dirai rien parce que moi-même j'ai promis. J'ai promis et je dois me tenir à cette parole. Mais je ne pense pas que vous cherchiez sa collaboratrice. Ça peut s'envisager. Ça peut être un bonus. Alors, bah écoutez, je vous conseille, dans ce cas, si vous cherchez ma collaboratrice, de voir un petit peu plus avec mes collègues qui en savent plus. Moi, je suis tenu à être neutre dans cette situation. Voilà. Bon, vous m'embêtez plus, hein? Oui, on sait que vous pouvez pas nous aider. Et là, il vous regarde et il fait... Ah, c'était méchant de dire ça. Ah oui, merde, j'ai perdu la caméra de Hans. Attends, il faut que je la remette. Donc, il fait oui, ouais, c'est bon. Hein. Il vous regarde. Mais faites attention au chef de la taverne. Il est pas si gentil. Bon, allez, moi, je retourne à mes plantes. Les champignons sont bien plus sympathiques. Hein. Et ils sont là. Eh bien, soit. On va retourner à la taverne. Ouais, on va brûler la taverne, comme prévu. Je bois une potion de soin de G. Ça marche. Ah, j'ai trouvé la bonne caméra. Bon, c'est tout. Hop. On va peut-être manger un peu de crabe avant de partir, non? Ah, vous avez fait un michoui là. Vous avez encore mangé, okay. Quoi. Il demandait un gîte de cuisine d'ailleurs de ta part. Ah ouais, bien sûr.
Et c'est important parce que vous pouvez récupérer beaucoup plus de points de vie grâce à ça pendant votre repos. J'utilise ma broche, mon bâton magique avec. Voilà, il y a petit... beaucoup. Oui, vas-y. Il y a surtout, je vois beaucoup de picoles de la part de Razor. Vous voyez les mecs qui s'enfilent des potions. Igloo. Ah merde, j'aurais dû le lancer dans. Je le mets dans. Et oui, parce qu'il faut pas qu'il sache si t'as raté ou pas. Eh, Hans, je suis meilleur que toi en cuisine. Ah bah, peut-être. j'ai pas pu mettre tous les points partout. Hein. Ça attendra un peu plus tard. C'est vrai que t'avais fait combien tout à l'heure en cuisine? Non, sur le G, j'avais fait moins bien, j'avais fait 10, oui. Mais je regardais le bonus, je pensais qu'il avait beaucoup. Donc, plus. Vous avez mangé quelque chose de. C'était une sorte de crabe. Il y avait Rylan aussi qui était intervenu. C'est pas bon. Voilà, ça vous a rempli votre estomac, mais ça vous donnera pas beaucoup plus, quoi. Ça vous a pas empoisonné. De la menthe, hein ? Pardon ? De toute façon. Avec de la pisse de la menthe ou pas ? Avec de la pisse de la menthe, ça irait très bien, c'est du même niveau. donc, eh bien, écoutez, hein, vous voilà reparti vers en direction de la taverne. De cette fameuse île, et Dame Rouge est plutôt mécontente. Il fait ce gaillard là m'inspirait pas confiance. Ouais, je vous assure que celui-là, il faudra faire attention à nos arrières. Ok, les petits gars, hein, les frangins. Ciao. Yep. Yo. J'ai une autre image de taverne qui est vachement sympathique. Mais qui colle pas en fait avec celle que vous avez. Donc beaucoup trop de pièces sur la table. Et il y a surtout trop de gens qui rigolent, etc. Alors que il est clair que c'est une superbe image où les gens sont. Ouais, alors je te donne ce super parchemin. Mais il n'y a rien dessus. Ouais, mais donne-moi tes pièces. Mais c'est pas des pièces. Bah non, parce que je suis pauvre. Voilà, la fameuse taverne. C'est les petits cailloux. Ils échangent des cailloux. Alors, vous revoilà de retour, suivi, donc Razor passe devant, intimidant, hein, étant donné, après son jet d'intimidation, il déconne plus. Vous voilà de retour à la taverne, et les gens vous regardent de travers. Qu'est-ce que c'est notre approche ? Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est votre approche ? Alors, dame... Oh, j'ai dit, ah, il faudrait pas trop les attaquer de front. J'ai essayé tout ça, ils sont quand même assez nombreux. Et certains sont coriaces. J'ai vu aussi qu'ils avaient une sorte de champion un peu dans le coin. Celui-là avait l'air d'être un peu plus costaud que la moyenne. L'idée du feu est pas mal, hein, ça peut mettre la panique dedans. Enfin, non, je pense pas que ça soit une bonne idée. Bon, si on se met toute l'île déjà à dos, on va avoir du mal après pour la recherche. Surtout que notre barque, elle est juste ici. Ça me paraît pas une très bonne idée, en fait. Je serais plutôt pour... En fait, la petite de tout à l'heure, c'est celle qui avait l'air le moins chiant, en fait. On pourrait peut-être questionner d'autres personnes, en fait. On n'a pas questionné les bonnes. Si on brûle tout. Ouais, mais si c'est le patron qui a un arrangement avec le... On y va, on va le choper entre 12 yeux, là, et... Il parlait d'avoir un tonneau. Est-ce qu'on peut pas le forcer à aller chercher son tonneau et le prendre dans l'arrière-boutique Enfin, c'est gentil de prendre les gens pour des idiots, mais quand même... Moi, je pense que commencer à préparer de quoi brûler l'auberge, et nous, on va essayer de voir la petite en essayant de l'amadouer, enfin de l'intimider, en leur disant que si on n'arrive pas à savoir où se trouve le repère de Rimir, vous avez fait foutre le feu, alors que si on trouve l'information, on va s'en aller loin de l'auberge, par exemple. L'intimidation, ça serait peut-être un prêt. Je pense que parler, c'est déjà quand même un bon truc, pour commencer. Ah, Robert, oula.
Ouais, c'est le mec qui a vu Dame Rouge. C'est un peu plus gros qu'un crabe quand même. Ouais, un père camarade. Ouais, moi je brûlerai pas là où il picole, moi, à votre place. Bon alors, oui, Dame Rouge qui c'est lui le chef de la taverne. Ah oui, ça change tout. on va lui payer, hein. On va lui donner des sous. Hein. Non, parce que c'est pas du tout comme ça que tu l'as joué, hein. Moi je le voyais pas du tout comme ça. C'est le champion. C'est le champion. C'est ce qu'a dit. C'est le mec braqué du coin, quoi. C'était le vieux qui était le chef, mais apparemment il avait un gars assez coriace. Et d'autres petits gars qui étaient clairement de son côté, quoi. Et si on kidnappait le vieux ? Pourquoi pas, mais bon. Comment ? Ouais, tu vois que Dame Rouge, tu regardes, puis c'est pas une mauvaise idée. On se faufile dans l'arrière-boutique pendant qu'il va chercher à boire et hop ! Dame Rouge regarde, je fais ouais, je pourrais essayer de le forcer à amener un peu de bouffe et vous vous occupez de ça. Moi, D'Artagnan et Shakespeare, là, qui a été un peu amoché. Voilà, vous commandez plein de trucs qu'il aille dans l'arrière-boutique et. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas, après. Je pense que c'est l'idée à laquelle tout le monde est d'accord, bizarrement. Je vais aller faire un tour dans l'orée de la forêt pour trouver des herbes qui pourraient l'obliger à. Des herbes empoisonnées, par exemple. Oh, ouais. Le des but, poisons. Non, des hallucinogènes, des. Alors, tu vas me faire un jet de connaissances de préparer... nature pour pouvoir les trouver. C'est plus récolter. Parce qu'en effet, tu as les compétences, les talents, les connaissances, je veux dire, pour pouvoir en trouver. Alors, est-ce que tu vas trouver ce que tu veux? Je ne sais pas. Parce que j'ai fait une liste de plantes. Oui. Rien que pour toi. Moi, j'ai préparé une corde pour le ligoter. Prends plutôt celle-là. Tu as fait combien? Bah écoute, tu as des poisons légers qui ralentissent les mouvements. Tu as des plantes de sommeil. Tu vois que tu es assez costaud. Tu vois, tu as pas mal de petits trucs de relaxation ou d'aphrodisiaque. Sur l'île. Je considère que c'est pendant ta balade aussi hein, que tu as regardé. Pendant que tu te baladais avec les autres. Tu le dis pas, mais je sais, tu as fait attention aux plantes, j'imagine. Alors, que désires-tu? T'as le droit d'en prendre qu'une seule, par contre. De ces plantes. Je vais prendre la plante de. Tu m'as dit relaxation, soporifique. Aphrodisiaque ou un poison qui. Disons que le gars il va sentir tout de suite qu'il est empoisonné, quoi. Il va comprendre qu'il va pas bien et que ses muscles sont en train de se raidir, quoi. Je vais prendre celle-là. D'accord. Ça réduit donc la dextérité, si tu veux tout savoir. Ça réduit d'un point de dex et ça dure 4 rounds. Sinon, l'autre option, c'est de péter la gueule au champion et après. Forcer le mec à nous parler. Le but, c'est pas vraiment qu'on ait tout clé sur l'eau. Quoi. Non, mais on peut provoquer le champion. Je suis sûr que. Un gars comme. Finesse, là. Tu peux te prendre. Un contre un, je dis pas, mais. Ben ouais. Si le premier plan échoue, on passera au deuxième. En tout cas, Razor revient avec ses plantes. Hein. Je vais distraire un peu la taverne moi, pendant que vous faites ça. Ouais. Hans, prends plutôt cette corde-là, dans ma corde grise. Donc, oui, Dame Rouge. Bon alors, les petits gars, là, vous avez l'air d'avoir des plans. Ouais, on a l'air. Bon, il y en a un qui est parti tout de suite aller chercher des herbes, j'ai rien compris, mais
Là, tout d'un coup, il y en a l'autre qui est parti dans la taverne. Sérieusement, vous pouvez pas essayer de vous organiser un petit peu? Reviens, Pilan. Ouais, quoi? Quoi? Pourquoi tu vas à la taverne? Y a rien à boire. Parce que moi, je suis censé distraire les gars à l'intérieur, faire une bonne ambiance, que le gars aille chercher un tonneau dans l'arrière-boutique et les autres s'en occupent. C'est ça, non? Ah non, mais ça, toi que d'amour, j'ai regardé, tu regardes Shakespeare et tout ça, et c'est lui qui a besoin d'alcool et tout ça. C'est nous qui allons faire la diversion. Ah, j'ai pas le droit de boire en plus, moi. Bah, tu t'en voulais pas? Ouais, enfin, maintenant, je remonte, quoi. Allez, s'il vous plaît. Bon, peut... allez, d'accord, allez, viens, toi que t'embarques. Bon, vous démerdez, hein. Razor, je fais quoi? Razor, Hans, Watchy, Fildes, hein, je vous fais confiance, hein. Quoi, Razor, essaye de pas tuer tout le monde avec tes plantes. Aucun problème. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu es un psychopathe, en fait, Razor. Il est devenu encore plus psychopathe qu'avant. Attends, je suis en train de réfléchir à un truc. Et finalement, je vais peut-être changer. Je vais prendre du soporifique. Ah, soporifique de... D'accord. De la plante soporifique pour, ben, on va dire, mettre la plante soporifique dans la piste de Lamentin, par exemple. Histoire d'endormir tout le monde, par exemple. Ou en tout cas, qu'il soit sommeilleux. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ok, donc vous allez essayer, comme ils vont essayer d'attirer l'attention et demander beaucoup d'alcool, vous vous dites qu'il va falloir vous infiltrer. Pour cela, il va falloir infiltrer bien la petite taverne toute pourrie. Et il va falloir essayer de faire en sorte que laisser Razor, car c'est lui qui doit administrer la dose, étant donné que c'est lui qui va faire le machin pour que ça se mélange bien et que ce soit nickel. Le problème... Si tu veux, j'y vais. Tu me dis ce que je dois faire et je le fais. Je considère que, vu les plantes, etc., la mixture, il va falloir qu'il le fasse lui-même. Oui. Donc, il va falloir me trouver un moyen d'attirer l'attention des gardes et autres hommes de main de Charles, le roi, afin d'éviter d'être aperçu en train de mettre du poison dans les tonneaux de bière. Est-ce qu'il y a moyen de faire le tour de la taverne pour avoir une description un peu de l'extérieur? Alors, la taverne, c'est une grande bicoque de bois. Il y a très peu, hein, c'est une grande pièce. Il y a une pièce de sorte de cuisine et de réserve. Il y a quelques fenêtres. Et à la base, j'ai pas fait de taverne. Mais bon, écoutez, vous en voulez une, je vais vous la faire. C'est vrai que j'aurais pu. C'est le minimum. Ouais, mais bon, si tu veux une taverne toute pourrie, c'est pas évident à trouver. Hein. Comment ça, être à court de taverne? Alors, on va réduire un petit peu. On va vous faire ça. Hop. Donc, cette grande taverne, quoi, cette grande taverne, elle est pas très grande. Voilà, c'est un vieux rectangle avec un petit porche pour essayer, pour mettre un peu la réserve. Ici, il y a clairement la réserve de tonneaux. Et là... Tu nous as envoyé la battle map? Attendez, je suis en train de la dessiner. Ah. On n'a pas eu le temps, non. Hop, donc, pour vous faire court, c'est un peu le pays des bouseux, hein. Ils ont une cour à l'extérieur, avec des bestioles, des poulets, des trucs comme ça, ils ont quelques tonneaux, une bonne réserve, un petit peu à l'extérieur, il y a un truc pour aller chercher de l'eau potable, avec un puits,
Et ce bâtiment-là, potentiellement, vous pouvez. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de discuter. C'est assez visible tout ça. Pour arriver jusque-là, il y a quand même une fenêtre, parce que sinon c'est impossible qu'ils survivent dedans avec l'odeur. Pour pouvoir au moins survivre, hein, il y a une porte ouverte ici. Alors, donc, dans tout ça, les gens sont en train de patrouiller, il y a Mirabel. Mais bon, c'est pas non plus des flèches, les gars. Hein. Et il y a quoi comme bâtiment autour? Alors, des bâtiments, bah, il y a plein de petites cabanes, des sortes de dortoirs où il y a une dizaine de mecs. Il est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais ils sont à peu près 50-60 hein, quand même dans le truc. Hein. Donc, s'il y a en effet une bagarre qui se déclenche, vous aurez beaucoup de mineurs sur le dos. Est-ce qu'on pourrait pas foutre le feu à un bâtiment à côté pour attirer tout le monde en dehors de la taverne? Non. Je vais vouloir foutre le feu. Alors, vous commencez à devenir lourd. Je vais y aller. Je reviens d'ici 5 minutes et normalement ça devrait faire effet. Je commence à balbutier quelque chose et pof, je disparais. Ah. Là, vous voyez Dame Rouge? Il est pas mauvais, le petit, là. Ah bah bien sûr, hein. Ouais, sans douter. J'ai envie de dire, pourquoi on s'embête à discuter s'il avait ça depuis tout à l'heure? Parce qu'il est gronchon et qu'il ne parle jamais à personne. Petit clin d'œil à Razor. Putain, elle est forte, alors qu'il est invisible. Ah oui, en plus, ouais. Ah ouais, elle est forte. Elle est balèze. Il faudrait que je vous mette quand même une petite musique de fond, mais je sais pas trop quoi mettre. Bon, Hans Finest, on fait le tour, on attend du coup. Voilà. Donc, bah écoutez, vous comprenez que les gens doivent boire. Que faites-vous? Vous Bon. voyez Rilan qui est déjà en train de Hey picoler. guys, c'est ma tournée! Ah, t'as des gens qui te regardent, ouais, on boit pas, on boit pas la pisse des étrangers. Puis vous entendez des gens, ouais, on n'aime pas trop les gens dans votre genre ici. Ouais, mais bon, un verre gratuit, ça se refuse jamais, les gars. Arrêtez un peu. Ouais, Et puis puis. moi, hein, je vais vous dire, je suis peut-être pas dans votre genre, hein, mais mon père était mineur, hein, et son père aussi avant lui, hein. Alors, je viens d'une famille de mineurs. Alors moi, j'ai pas le côté caillou, quoi. J'ai plutôt le côté marin, donc je me suis engagé. Mais sinon, j'aurais été mineur, hein. Alors, on a un peu du même sang finalement. Je partage un petit verre. Bon, donc apparemment Rylan il est de feu là, il est mineur maintenant, il a de la famille mineure. Il va me faire un petit bluff. Alors est-ce que vous l'aidez? Parce que là il me reste. On va faire le tour de tout le monde, on va prendre Phil. Phil, mon ami, que Ouais. fais-tu? Bah, je vais prendre une chope et je vais suivre le mouvement de Rylan Non mais je suis mineur, y a pas de problème. en essayant de servir d'autres gens de la piste de la menthe. Désolé, excuse-moi. Donc, tu essaies de faire quoi sur le floor, quoi? Je prends ma chope et me dirige vers les autres, enfin les mineurs, avec une bouteille pour leur servir un verre. Ah d'accord, carrément. Forcer un. Il va falloir que tu me fasses un jet de diplomatie, parce que comme tu as entendu, les gens ne sont pas très. D'accord, il y a un bluff de la part de notre ami. Bluff ou Okay. diplomatie? Ok, bon, je vais faire mon jet. Ok, bon. Bon. Donc, vous voyez Phil qui est en train de demander. T'as les gens. Ah non, j'ai pas envie. Il est où notre Gedrilan? Aussi, il est là, le Gedrilan. Ah, il est à fond, Rylan.
Nous allons passer à Hans. Yeah. Et ben moi, j'enfile le masque du pervers. Et je me faufile dans le dans la cour et je vais vers la réserve. Comme je sais que Razor va mettre du poison, je regarde un petit peu si tout va bien, si personne n'est attentif. Je me tiens prêt à intervenir s'il y a un problème. D'accord, tu vas me faire un jet de discrétion. Et en fait, ça veut dire que pour l'instant, personne n'attend dehors. C'est à peu près ça, ouais. Pour l'instant, tout le monde est rentré comme des gros bourrins, là. Et là, tout d'un coup, Wachi, il fait... Ah ouais, non, mais Facepalm, deuxième saison. Moi, j'ai fait ce que j'ai dit depuis le début. Hein. Ah ouais, écoutez, oui. Hein. Alors. Moi, je suis un mineur, hein, donc je me suis mêlé à la foule, de mes cousins, quoi. Alors, Wachi, qu'est-ce que tu fais? Alors, Wachi, bon, bah. Il va dire quelque chose parce qu'il sent qu'il va encore dire de la merde. Et il va juste. Comment est-ce que tu comment j'ai du mal avec son nom. C'est quoi son fruit rouge là, ou je sais pas quoi là? Mirabelle. Mirabelle, oui, j'ai vraiment du mal, je sais pas pourquoi. Donc vous voulez faire boire Mirabelle aussi? Non, 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 absolument pas. Genre, je lui demande, je commande la piste de la piste de lamentin. Quand il me rapporte, pendant que les autres font tout le tatouin, je vais poser une simple quelques questions à voix un peu plus basse. Je vais dire. D'accord. Oui, monsieur. C'est quoi le problème avec Mirabelle, quoi. C'est quoi le problème avec le corien? Avec le... Ah non, il faut pas parler de ça. Il faut pas parler de ça. Ils entendront rien. Vous allez avoir des problèmes avec ma famille après. Alors on je va vous en dis, partez. Mais franchement, vous allez avoir des problèmes. Vous vous rendez pas compte? Allez. Je suis... Si vous n'êtes pas là pour consommer, monsieur... Bon, t'as le droit quand même de me faire un jet de diplomatie. J'accepte que tu lui redises quelque chose, parce que certains mots-clés peuvent t'aider à la convaincre, mais vas-y, je t'écoute. Écoutez, je vous demande même pas, en fait, de me dire ce qu'il a... De me dire où est-ce qu'il est, ce qu'il... Non, juste, ce qu'il a fait. C'est quoi cette espèce de paranoïa vers ce type? Qu'est-ce qu'il a fait chez ici? Je veux comprendre la montagne de la ville. Parce que là, pour moi... Bah, je suis qu'un glandu qui, on dit un truc et bon bah je dois l'accepter tel quel. J'aimerais bien en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Alors là tu vas me faire ton jeu de diplomatie. Diplomatie... Bien sûr avec ma white canard ça doit être super. Je vous trouve sympathique. Hein? Je vous trouve sympathique alors... Je vais vous dire. En fait, ici, il n'y a pas que le marché des cailloux. Et le nain, c'est un ami du chef. Et c'est grâce au nain qu'on peut faire des expéditions pour trouver des choses vieilles qui valent beaucoup d'argent. Et on les vend aux valets anciens. C'est des magiciens, des valets anciens. Je vois. Ok, je comprends. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. On fait beaucoup de cailloux, etc. Mais il y a aussi beaucoup de morts pendant les expéditions. Ouf. Et voilà. Sinon, moi, si je vous dis, c'est qu'il vaudrait mieux plutôt partir. Moi, ma famille et tout, ils sont gentils de base, mais si vous vous faites attaquer par... par les petits gars du chef, vous allez avoir de gros problèmes. Ouais, je note. Il a fait bien ici, en fait. Parce que là, vous voyez pas les vrais. Il reste les hommes. Les hommes de confiance du chef. Et ça, c'est pas les mêmes. C'est un peu comme le gars... Il dit, je sais pas si tu connais, mais... à Robert, c'est le petit nouveau. Alors, moi, si j'étais toi, je ferais attention. Je vois. Et je comprends bien. Allez, je vais rejoindre, je vais devoir les servir. Sinon, le chef, il hey, y a des gens qui ont soif, là. Même si c'est de la pisse, tout le monde a le droit.
Ok, allez-y. Alors, pour faire cette tournée, le chef vous demande pas une, pas deux, mais 5 pièces d'or. Sur la pisse. Ah, écoutez, hein. Je les donne, allez. Ah, tu donnes. Ah, tu les donnes. Je dois le faire. Nickel. Vont chercher des tonneaux dans la réserve, alors. C'est bon, ils vont chercher des tonneaux dans la réserve. Tu vois que tu n'as pas vu, d'ailleurs, comment ça s'est passé. Hein, ah. Je ne sais pas ce que fait Razor. J'espère que... Voilà, hop. Et, ben, écoutez, vous... vous les voyez en train de picoler, et vous picolez tous. C'est incroyable. Donc, tous ceux qui sont dans la taverne, hein, qui ont bu, hein, Watchy, Fildest, Rilan, vous alors, faites tous des jets de figure. On boit pas, parce qu'on sait que ça va être empoisonné. Ah, ah bah vous me faites des jets de volonté pour éviter, pour éviter de pas boire. Je préfère les jets de figure, moi. Sauf l'abruti qui est parti devant en picolé comme un gros sagouin, parce qu'il ne le savait pas. On n'en a pas parlé avant qu'ils partent. Ouais, c'est pas faux. Mais ça m'arrange, je préfère un jet de vigueur, moi, personnellement. De toute façon, si on loupe le jet de volonté, on fait un jet de vigueur après. Oui, tout à fait. Ouais. Vous êtes tellement mauvais, en fait. Vous êtes tellement mauvais. Voilà, ce bot de musique, j'ai du mal à l'utiliser. Hein. J'ai pensé que ça allait fonctionner, mais encore une fois, il ne fait pas ce que des pirates avec de la sagesse en même temps. Oui, bah c'est sûr. Bah écoutez, hein, vous picolez, les gars. Hein, ouais. tous ceux qui ont là, vous avez tous raté. Ah bon, oh, ça va. Fitness, lui, il encaisse sans problème. Rilan, lui, il fait. Du coup, oui, Vigor, j'ai loupé aussi. Pardon. J'ai fait 11, j'ai loupé aussi, je sais. Au jet de volonté. Oui, tu le fais, oui, tu fais ton jet de vigueur. Ok. Ah, c'est chiant ce truc, hein. J'arrive pas à m'en servir, hein. Ce bot de musique là. Ah, ouais, mais en plus j'ai un gros malus, quoi. Ah, oui, ah bah oui. Ah, bah non, toi tu le rates automatiquement, toi. Oui, bah oui. J'avais zappé, toi. Toi t'as goûté, c'est des. Voilà, bon bah écoutez, Oui, donc on sait même pas ce que Mirabel lui a dit, quoi. Si, bah non, après, parce qu'il a fait, c'était bien avant, quoi. Oui, vous savez pas, ouais, clairement. Bon, est-ce qu'il y aurait. Moi je guette un moment où le chef se retrouve seul. Eh bien, écoute, tu le vois en effet partir dans un coin où il y a apparemment une sorte de. Comment ça s'appelle de. Une sorte de lit de camp, quoi. Par contre, avant de faire ça, il y a Courteau. Hein. Courteau, tu remarques que ton plan fonctionne. Par contre, tu as remarqué que tu as fait endormir tout le monde. Dame Rouge est en train de dormir, tout le monde dort. Hein. Ah, oh, c'est le plan, voilà, c'est un plan. J'ai envie de dire, c'est un plan comme un autre, hein. Toi, t'es content, hein, t'es bien, tu regardes tout le monde en train de dormir, t'es content. Moi, je fais signe, hein, si Razor, il me regarde. Ah bah, oui, Razor, de toute façon, je pense que ton sort est fini. Oui, c'est, on se coule la tête, Pourquoi il a fallu que je vienne travailler avec des pirates qui sont incapables de suivre un plan simple. Ouais, bah, écoute, hein. C'est le moment. Faut y aller. Ça risque d'être suspect que tout le monde dort en plein après-midi. Le plan est parfait. Eh ben, je vais regarder dans ma trousse de premier secours si j'ai pas quelque chose pour réveiller mes collègues et puis qu'on fasse notre affaire, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge.
Donc, qu'est-ce que je peux faire, un premier secours, un soin ou quelque chose pour essayer de réveiller mes loustiques? Totalement, tu peux faire tes premiers soins pour un... Alors, c'est healing, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, voilà. Je te le fais dans le... de la tour. Ça marche. Attends, mais faut cibler aussi, c'est qui? Parce que je pense que sur moi, c'est pas la même difficulté. Ah oui, moi, je... moi, je me bah, on va dire que ça va être pour le... la totalité, et puis voilà, parce que sinon, ça va être la misère à gérer. Ouais, ouais, c'est fait. Alors, bah écoute, t'arrives à réveiller la plupart. Hein. Tu sais que c'était un truc léger, hein, les gars. Ils sont un petit peu fatigués eux-mêmes. Et tu te dis que ils vont... vous avez pas beaucoup de temps. Hein. Vous allez devoir avoir. Ah, bah moi, je fonce. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Je voyais que Mirabel est un peu en mode panique. Et qu'il commence à pas comprendre ce qui se passe. Je dis tais-toi et t'as rien vu. Du coup, j'ai la plupart, ça veut dire que j'ai réussi à me réveiller ou pas? Non, toi, non, toi, il peut pas te réveiller, hein, t'es le seul à dormir. Il a une qui dort. Je peux aller kidnapper le chef? Oui, oui, hein, tu fonces dessus, hein, tu arrives sur le chef. Oh, je lui mets la main sur la bouche, là. Il dort ou pas? Il est à moitié dans le gaz, donc tu peux le saucissonner assez facilement. Tu vas me faire quand même un jet d'escalade. Pour voir dans la tour, pour savoir comment tu l'en sers. Comme je suis maître des cordes, j'ai un bonus. Eh bien, vas-y. Vas-y, vas-y. En plus, je sais plus combien c'est. Je vais passer ma corde grise. Et je prends sa corde grise pour le... pour les streamers. Bien sûr, c'est une corde magique. Elle se transforme en barre de fer. Ah. Alors, tant si saucissonne quelqu'un, et... Ah ben, j'ai l'habitude d'en saucissonner les gens. Bon. Et de manger les saucissons aussi. Enfin bref, après l'attacher, la corde devient en fer, du coup c'est vachement plus galère. Quoi, j'ai pas la... Voilà. Alors, Klimber. Alors vas-y, tu m'en saucissonnes ce chef. Ouais, et je dois avoir un bonus, je sais plus de combien. 2, je crois. D'accord. Bah écoute, hein, tu l'as bien saucissonné. Écoute, Razor, tu as réussi à les réveiller. Sauf Rylan. Rylan qui semble en effet assez difficile à réveiller. Et non, c'est pas Rylan, Vachi. Vachi, tu l'as pas réveillé. Vachi. Rylan réveillé, hein. Il comprend pas ce qui lui est arrivé. Ah, c'est cool. Allez hop. On se casse, on prend le chef et on se. Est-ce qu'on prendrait pas la chef? Je prends sur l'épaule et je me casse. Hein. Vous entendez Phil qui dit. Est-ce qu'on prendrait pas la fille pour le faire parler? Pour le menacer? Parce que lui, peut-être qu'il s'en fout, mais... Mais c'est pas sa fille! Non, c'est une employée. Bon, on va pas prendre la fille. Ouais, on y va. Ah, apparemment, Phil... Après, t'es un pirate, hein. Si t'as pas envie de les suivre, de suivre ce qu'il dit, tu peux le faire quand même. Ne le roule pas. Hein, parce que moi, je dis... Tu peux... Vas-y, Razor. Tu peux kidnapper la fille si tu veux, mais bon, je vais pas essayer de te servir à grand chose. À moins que tu veuilles te soulager pour d'autres raisons, cela ne me regarde pas. Allez, on sait jamais. Bon, bah, Phil, il va falloir que tu. Début, Alors, depuis le début, c'est celle qui est la plus envisageable, hein. Ah bah oui, elle est même incroyablement belle pour le coup. Hein. Ouais, t'as raison, elle est kidnappée là. Alors vous la kidnappez, mais pour la kidnapper, il va falloir se battre un petit peu, il va falloir me faire un jet de BMO. Tous ceux qui veulent essayer de le faire, il va falloir qu'ils me jettent des jets de BMO pour essayer de la choper et de l'assommer. Ce sera aussi simple que ça. Comme une manœuvre de combat. Mais vu que c'est une pauvre citadine, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Si vous la prenez à deux, forcément, elle risque de pas y arriver, quoi. Allez-y. Si vous êtes nul à chier, par contre, si vous n'arrivez pas, elle vous fait une clé de bras, ah, elle vous fait un German suplex dans les dents, et... non, mais... Vu les bras cassés qu'on est... Bon, alors, vous me le faites, ces gens, oui, essaie de la choper ou pas, alors? Non. Bah, c'est Phil. Phil. Bah, Phil, tu fais pas.
Ok, BMO c'est. Ah bah si, tu le fais. Tu vois, tout le monde t'a dit que oui, t'as une bonne idée. Même Razor, il a dit bah, fais ce que tu veux. Allez, je sors ma rapière et je la menace. Bah, c'est où dans la fiche? C'est toujours le. Dans alors, combat. C'est dans combat tout en bas. D'accord, c'est parce que tu galérais. Ouais. Alors c'est CMB, hein, excuse-moi, c'est CMB. Donc c'est sur la première onglet. Et plus t'as fait un critique. Ah oh, bah t'es arrivé, t'as fait. Oh ah non, c'est la technique de Spock. T'as fait la technique de Spock, tu sais, là, au coup. Et... Ah non, c'est peut-être trop vieux. Elle s'endort direct. Donc bah vous prenez deux gars hein, en saucissonné, vous allez, êtes en train de partir de la taverne, il y a des gens qui commencent à vous regarder en train de dire qu'est-ce qu'ils font. Allez rouge, prends voiture. Ouais c'est bon, je l'ai. Regarde, il est entre mes. Tu l'as mis, il l'a mis dans son truc de pied, il est écrasé contre la poitrine de Dame Rouge. Et puis vous voyez vos deux potes D'Artagnan et Jakespeare qui sont là. Ouais, oh la vache, j'ai vraiment l'impression que je le sens pas du tout ce plan. Vous voyez D'Artagnan, ouais, je sens qu'il y a un malheur qui va tomber sur l'un d'entre nous. Donc vous allez vous cacher avec les deux gars comment? Parce que là, vous êtes partis sur votre île, là, vous la connaissez à peine. Dans la forêt. Dans la forêt, dans un petit fourré, dans un coin. Dans un petit fourré, tu es à côté du village. On va le faire pareil. T'as tout le monde qui est à côté, tu sais. Petit peu plus loin. Ouais. On s'enfonce dans la forêt. Donc vous partez dans la forêt. Je sais pas pour vous, mais moi je suis crevé. Moi. J'ai un truc de fou. Alors bon, bah écoutez, il va falloir me faire un bon jet de survie hein, dans cette forêt pour essayer de vous planquer et essayer de trouver un bon endroit. Mais vous avez l'aide de Dame Rouge hein, qui est là avec. Et puis, ouais, ne vous inquiétez pas, elle donne un bonus de plus 2 pour les coups pourris. Les coups pourris comme vous faites, elle donne un super bonus. Elle adore ce plan. Vous la voyez super contente. Puis, ça va être trop génial. Donc il faut te faire un jet en quoi hein? En survie pour celui qui guide. Ouais. Votre guide. Alors après, vous n'êtes pas obligé de jeter. Hein. Ceux que je les vois jeter, c'est pas la peine. Attends, à moins que vous avez envie de les faire perdre, hein, comme Razor, hein, qui a envie de dire hey, « Hé, on va aller par là, mais c'est vers village !» Alors, Hans vous guide et il arrive très très bien à vous guider hein, sur ce terrain. Et vous trouvez une cachette pour pouvoir justement discuter avec Mirabel et Charles. Le roi. Ah, Mirabel. Mirabel est là, et fait, vous n'allez pas me violer quand même. Pourtant, ça donne envie. Pas pour l'instant. Ça fait trois mois. Moi, je la vois à poil. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu la vois. Alors, tu vas me faire un jet de volonté, Hans. T'as son pantalon Hans, qui a un problème. Elle est comment en dessous des vêtements? Eh bien, c'est pas mal, hein. C'est bien entretenu, tout ça. Ça, à la limite, on pourrait regarder. Alors oui, un jet de volonté pour Hans, là, parce que à mon avis, là, t'as un problème de pantalon, là. Ah non. Oui, mais... Non. Effectivement, elle me laisse pas indifférente, mais je sais contrôler mes ardeurs. Tu sais contrôler tes ardeurs, donc tu décideras, bien entendu, de tout ce qui se passe. Alors, il est -9, on arrive à un moment où on va avoir une discussion. Le problème, c'est que si on le fait maintenant, vous risquez de l'oublier la prochaine fois. Donc, c'est le Est-ce genre de choses... Est-ce qu'on peut quand même faire le viol ce soir, ou on attend la prochaine fois? T'as Rylan qui lui saute dessus, tu sais. Mirabel. Je déconne. Ah bah on est des pirates hein. De toute façon il est fatigué non, parce qu'il va essayer de le faire mais il va dormir direct. Ouais, je dors pendant un dé combien de jours là? Pardon? Je dors pendant un dé combien de jours? Un dé combien de jours? Non peut-être pas quand même, mais disons que tu vas dormir la nuit. Là ils sont pas capables de te réveiller. Hein. Quoi s'ils peuvent te réveiller, c'est qu'il faut qu'ils te baffent quoi. Faut vraiment qu'ils y aillent vraiment très fort. Ah bah c'est ton problème. Hein. Là t'es en train de faire ta nuit quoi. T'es en train de faire ta nuit. Donc là tu es en train de te guérir et tout quoi. La totale. Ouais. S'il faut lui mettre un pain. Bon bah en fait finalement quelqu'un va te réveiller. Hein. Bah écoute hein, tu vas te prendre des pains. Tu vas me faire
tu vas me faire des jets de volonté. Et pour le jet de volonté, selon. Donc, tu as une difficulté quand même assez élevée. Le nombre de points négatifs que tu as, c'est le nombre de points de dégâts que tu vas te prendre dans la gueule. Donc là, tu vas te prendre 8 points dans la tête. Ah, et... j'ai dû lui coller des baffes. Ah ouais, non, mais là. Vu la force qu'Arilan. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est exactement la. La scène, je sais pas si vous vous rappelez de la scène de y a-t-il un pilote pour sauver l'avion? Ah oui, si, ouais. Et il y a une nana qui est en mode panique. Il y a je sais pas combien de personnes qui passent pour essayer de la calmer avec des baffes. C'est exactement ça. Là, le pauvre Rilan, le pauvre Wachi, il a jamais eu son visage aussi large. Donc finalement il est réveillé et il pourra donc participer à l'interrogation, à l'interrogatoire. Je crois que le machin bleu avec le bonnet rouge il m'a tapé, putain. Bref, donc on va s'arrêter là pour éviter que vous oubliez. En tout cas c'était cool d'avoir eu tout le monde avec sa caméra. J'ai pu voir tous vos têtes, même avec Razor qui faisait son « Non, je suis grognon !» Il est mort de rire. Dernière petite réaction au me réveillant. Pardon ? Faire ma dernière petite réaction au réveillant. Oui, vas-y. Bien entendu, tu peux. Mais Ramé, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Mais les gars, pourquoi ça ? Vous avez pris ma Ramé ? Elle m'a fait dire plein de trucs, c'était pas la peine. Si t'avais pas vu. C'est Flynn qui a eu l'idée de la violer. Donc, je pensais ça plutôt que c'était une bonne idée. Donc, comment ça la violer? Donc, t'as quand même. C'est pas demain qu'on en retrouvera une belle comme ça. T'as vu les niches? T'as vu ce qu'on a sur le bateau? Là, vous voyez tout d'un coup, vous sentez vos poils s'hérisser. Tous ceux qui ont osé dire ça. Vous avez vos poils, vous avez un sentiment de danger terrible quand vous avez parlé de ça. J'ai la queue qui gonfle, du coup. Exactement. Et là, vous entendez... Mais... Votre sœur ici présente et votre cadette est en désaccord avec ce que vous venez de dire. Là, vous savez que Dame Rouge, lorsqu'elle parle poliment, c'est qu'elle va vous faire très très mal, un de ces quatre. Car vous savez qu'elle est très rancunière. Non, mais, voilà, mais vous êtes voilà. Notre sœur, on peut pas se permettre ça. C'est pas déplacé. Moi, j'ai jalousie, contre, hein. Non, non, mais... Je vous regarde, je dis, mais... elle est si gentille que ça, bah, elle a qu'à venir nous rejoindre dans l'équipage si elle veut. Il n'y a aucun souci. Non. Là, tu vois que Dame Rouge, elle te regarde. Non, pas de compétition. Non, elle n'a pas le droit de venir. Non. C'est pas une mauvaise idée, moi, je trouve. Non. Ça, le capitaine appréciera, hein, c'est sûr et certain. Finesse, dis-moi. C'est toi qui es chaud lapin en ce moment? À peine, je te menace même pas de répondre et je te fais littéralement Falcon Punch dans les burnes, tu vois. Alors je te fais un jet de sale coup. Oula! Non mais. Fuck off! Donc, il y a l'autre, il fait. Arrêtez là, c'est bon. La Mirabelle, de toute façon, elle ne montera pas sur le bateau. On lui fera rien. Parce que je suis là. Parce que donc, je vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, Phil a pris parler. Un petit coup. Bien entendu. Et qu'elle est sympa. Et qu'elle ne mérite pas ça. Je vous emmerde. Wachi donc s'énerve et a voulu essayer de te faire mal. Tu vois que Dame Rouge essaye de te dire ouais. Normalement on fait pas ça Wachi hein. D'abord on tape pas d'abord. T'as pas écouté ce qu'a dit Phil. Phil, qu'est-ce que tu voulais faire avec la fille? Bah en fait je voulais l'utiliser pour faire parler l'autre. Alors avec la voix plus aiguë. Alors en fait, je voulais l'utiliser pour faire parler le dernier. Eh, hey, tu vois que Dame Rouge te regarde. Yo, il est bon. Il fait bon, bah voilà, tu vois, Wachi. Bon, là, du coup,
Ouais, bah c'est pas ce que j'ai entendu la première fois, moi. Moi, je me mets dans le dos de Mirabelle et je lui fais un petit massage. Je dis, n'inquiète pas, ça va bien, ça va se passer. Il la voit pas, tu sais. Eh ben, on va se calmer, ouais. Oh, putain. Ok, bah, je prends tout ça en note. Hein. Mirabelle sera beaucoup plus encline à vous parler. Elle vous a entendu, hein. Elle vous a écouté, elle était là. Parce que bon, le truc d'assommage, ça va à un moment. Hein. Elle n'était pas assommée non plus pendant trois plombes. Et puis, bah, écoutez, on fera la suite la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, bah, on va en parler juste après. Là, je dis bonne nuit à tous ceux qui sont encore là.